Dixon. Donc, on a organisé, alors je me présente, j'oublie toujours, Michel Morin, moi je suis paysan bio dans le Pays de Ré, et je faisais partie de la commission Forum Débat, et on a eu on fonctionne toujours comme ça, on nous a des gens de la coordination, c'est Catherine, elle est là, nous a proposé un débat sur le syndicalisme, comme ça, Union solidaire, ok, démerde-toi. Et on s'est débrouillé. J'ai trouvé, moi, intéressant d'avoir aujourd'hui trois jeunes syndicats minoritaires. Donc, nous avons la plus vieille dame avec Nicolas Galépides. C'est très genré. Qui, donc, de l'Union solidaire, lui-même est de Sud PTT, est venu un peu après, mais l'Union solidaire est née en 1981. Vous voyez, c'est pas si vieux. À côté de la plus vieille dame, il y a le représentant de la Confédération Pays d'Âne, porte-parole de la Confédération Pays d'Âne. J'ai un trou sur ton nom, Laurent Pinatel. Oh là là, c'est dingue. C'est la fatigue, ça. Laurent Pinatel et la Confédération Paysanne s'est créée en 1987. Et nous avons la plus jeune dame, c'est assez extraordinaire, avec Gilles Denigaud, qui, lui, représente la Coordination nationale des travailleurs portuaires et assimilés. Vous voyez que ce panel est assez intéressant. Comment ? Et qui s'est créé en 2000, j'ai pas été jusqu'au bout. Donc nous allons aborder les choses en deux temps. On va essayer de garder, une moitié du temps pour que vous puissiez poser vos questions et que nos intervenants puissent y répondre. On va d'abord aborder la question, parce qu'il y a plusieurs sujets. La question de la démocratie, du syndicalisme et démocratie à travers la création de leurs différentes structures, de leurs différentes organisations qui sont assez jeunes. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu une nécessité démocratique de créer une nouvelle organisation ? Parce qu'on ne les entendait plus, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer dans les syndicats là où ils étaient. Et petite question subsidiaire par rapport à celle-là, c'est aujourd'hui, quand même, qu'il y a un petit peu de recul, est-ce que eux ont mis en place des choses au sein même de leur structure pour que la démocratie soit respectée ? Et quoi ? On va commencer donc par la plus vieille dame, Nicolas Galépides. Merci. Né le 19-9-59. Bon, alors, ouais, en fait, quand j'ai vu le titre du débat, je me suis dit c'est très très vaste, etc. Donc je te remercie d'avoir un peu rétréci le champ des questions pour la première partie, en tout cas. Donc pour être exact, hein, la création initiale, c'est Sud PTT dans les années 80, qui ensuite a servi de fondement un peu au groupe des 10, qui aujourd'hui est l'Union syndicale solidaire. Pour répondre un peu à la première partie, Sud PTT s'est créé justement à partir d'un déficit de démocratie ou un déficit de transmission, on va dire, des idées. En gros, c'était une grève des camions de la Poste. À l'époque, c'était la CFDT qui était un petit peu aux manettes. Et dans le cadre de cette grève, la CFDT tenait pas trop compte de ce qui se passait dans les revendications de la base. Et il s'est créé une scission assez forte. Hein. Télécom et Poste, hein, on a un syndicat qui est à la fois sur le secteur postal et sur le secteur des télécommunications. Et on a décidé de créer une structure qui serait beaucoup plus à l'écoute de la base et qui serait moins, on va dire, encline à discuter avec le patronat ou à collaborer avec le patronat. Les mots ont vraiment une importance énorme, hein, parce que chez nous, on a vraiment des problèmes avec le terme partenaire social, avec le terme collaborateur dans une entreprise, avec le terme dialogue social ou concertation, etc., hein, avec tout ce qui peut se nicher là-dedans. Et la fondation au départ de Sud, qui a été un événement assez violent, hein, il y a eu une scission, il y a des gens qui sont partis. Pour tout vous dire, aujourd'hui, sur les syndicats d'Île-de-France, dont il y a des représentants ici, je ne sais pas si tu as été en Île-de-France toi, à l'époque, les adhérents sont partis.
Donc vous aviez l'argent du syndicat en gros, il est toujours sous séquestre aujourd'hui, presque 30 ans après. Et donc il faut qu'on se réveille rapidement parce qu'au bout de 30 ans, vous savez que les comptes en banque tombent en désuétude. Et il y a toujours un différent entre la CFDT et la Fédération Sud-PDT qui était fondatrice, avec une somme d'argent qui est un peu dans les limbes. Donc voilà. Donc c'est un peu, vous voyez un petit peu la dureté de l'engagement et la difficulté de naître quand on est un syndicat qui n'est pas représentatif, qui ne fait pas partie des cinq grandes centrales, enfin grandes et petites centrales syndicales, voire toutes petites, et comment on arrive à exister. Ce qui fait que nous, ça nous pose même des problèmes aujourd'hui, quand il y a des syndicats qui sont non représentatifs, qui veulent être représentés, etc., où on doit se prononcer. On ne peut pas être impitoyable avec une structure qui se crée. Après, c'est le problème du débat d'idées. Donc, je reviens un petit peu sur ce que je disais sur notre base, en fait. C'est que c'est vraiment la guerre. Hein. Moi, je ne veux pas exagérer les choses, mais il y a un antagonisme dont on ne sortira jamais entre le patronat et le salariat. Ça, c'est quelque chose qu'il faut établir tout de suite et qui n'est pas forcément établi par tous les syndicats. Et on est dans une situation conflictuelle depuis très longtemps, qui n'est pas finie et qu'on voit ici et qu'on voit tous les jours. On vient de le voir pendant une séquence d'à peu près 120 jours sur la loi travail, avec un profond fossé. Et ce fossé, il naît évidemment de l'expression de la base, de l'expression de ce qu'on appelle depuis tout à l'heure la démocratie, sur la démocratie des travailleuses, des travailleurs, la démocratie qui peut s'établir dans la collectivité. Donc je ne vais pas trop m'étaler maintenant, on verra peut-être dans la deuxième partie du débat sur ce qui a pu se passer là, ça pourrait être intéressant de voir l'exercice de la démocratie, du syndicalisme avec les gens qui sont syndiqués, les gens qui sont sympathisants, les gens qui sont adhérents, voire les gens qui ne sont pas du tout syndiqués, à savoir la grande population des précaires en ce moment, de ce qui pourra se passer. Après très vite aussi sur l'instance, sur les mesures qu'on a pu mettre en œuvre, alors... L'Union syndicale solidaire regroupe tous les syndicats sud que vous pouvez connaître, voire des syndicats qui ne s'appellent pas forcément sud, comme le syndicat national des journalistes, des choses comme ça. On a tous nos propres règles, c'est-à-dire que déjà au départ, il y a une indépendance assez forte sur sud santé sociaux, par exemple ses statuts, etc. Le syndicat solidaire finances publiques a ses statuts, etc. Mais on répond tous à des critères de base qui sont d'être, je vous le fais en vrac, féministe, antiraciste, être à l'écoute avec une démocratie interne très très importante. Sur la Fédération Sud-PTT, je suis peut-être le mieux placé pour en parler là, enfin peut-être pas parce que j'ai des experts dans la salle, on a un truc qui s'appelle la charte identitaire et que je vous invite à lire, alors je ne vais pas vous la lire tout de suite maintenant comme ça, mais c'est un document qui fait 2-3 pages et qui raconte un petit peu les bases. Et les bases, c'est de dire qu'on est une fédération de syndicats indépendants. Alors pour Sud-PTT, par exemple, il y a 81 structures en France et chaque syndicat a ses statuts. Et évidemment, il répond aux critères de cette charte, qui sont en gros l'indépendance politique, qui sont évidemment le féminisme, l'antiracisme, la défense des salariés, l'information des salariés, qui est un truc essentiel. C'est-à-dire que nous, c'est toujours bilatéral. C'est-à-dire que quand il y a des projets, quand il y a des choses qui tombent un petit peu du patronat, des structures, mais que ce soit des projets qui sont dans nos secteurs, voire que ce soit la loi du travail, on s'efforce d'informer au maximum tout le monde, d'avoir tout le monde sur un pied d'égalité. Et évidemment, quand il y a des négociations, tous les adhérents de notre structure, on a à peu près à 18 000 adhérents pour Sud-PTT, ça fait un gros 110 000 pour Solidaire, ces adhérents sont consultés. On consulte sur des accords d'égalité professionnelle, des choses comme ça et tout. Donc il y a une démocratie interne qui est assez intense. Alors on pourrait continuer comme ça à tourner en rond et puis à se regarder le nombril un petit peu. Non. Or, vous savez bien que Solidaire, on nous le reproche très souvent, hein, notamment la préfecture de police à Paris qui se demande pourquoi on déclare les nuits debout place de la République, pourquoi on déclare des banquets anti-répression au métro Ménilmontant, etc. Ils nous disent, mais on comprend pas, vous occupez du secteur des télécoms, des postes, de la santé, qu'est-ce que vous venez foutre là? Évidemment, ce que je disais, au lieu de tourner en rond et de se regarder le nombril, on s'occupe énormément de ce qui ne nous regarde pas, même souvent de nos camarades de la Confédération paysanne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un projet de transformation sociale, un projet très profond, d'avoir une autre vision de la société, etc., en restant dans notre crèmerie, dans notre corporation, comme on disait à l'époque, et en n'allant pas regarder ce qui se passe ailleurs, et en n'amenant pas des forces, et en n'amenant pas de la volonté, en n'amenant pas du soutien en permanence sur ce qui se passe ailleurs. Ça se passe nationalement sur le territoire, j'ai envie de dire en métropole. Évidemment, ça se passe sur tous les territoires d'Homme-Tom et compagnie où on assure pas mal, on est vraiment assez présent, notamment récemment sur Mayotte où ça a été très chaud. Et
On a aussi une vision transnationale, j'ai envie de dire, où on va s'occuper un peu de ce qui n'est pas censé nous regarder à l'étranger. Alors évidemment, sur la solidarité interpays, on le voit ça sur les finances publiques, sur la santé, Sud Santé Sociaux par exemple, a fait un travail remarquable par rapport à ce qui s'est passé en Grèce avec un véritable réseau de relais où on a amené, par exemple c'est la camionnette de Sud PTT qui allait chercher un appareil à échographie à Corbeil-Essonne pour le mettre dans un camion qui partait en Grèce parce que là-bas les dispensaires étaient dans la merde. Donc on a un peu ce genre de solidarité qui s'installe et un truc qui est complètement perçu par tout le monde. C'est pour ça que je reste vraiment sur ce champ en disant qu'on a toujours à cœur d'expliquer ce qu'on fait à toutes nos structures, etc. Et en même temps, on a un devoir un devoir tout court hein, envers la collectivité, envers un truc cosmopolite où on va aller regarder un peu ce qui ne nous regarde pas. La dernière chose, on en parlera peut-être aussi après sur le champ de syndicalisation, on a aussi à cœur de pouvoir donner une voix à ceux qui n'en ont pas forcément. Je parlais des précaires, je parlais des migrants, je parlais de tout ce monde, ça serait un peu tout à l'heure, mais il y a vraiment un sujet très important là-dessus et un sujet qui traverse largement les frontières. Voilà, je fais une petite intro comme ça, j'espère que je n'ai pas été trop long. On m'a dit que tu étais très bavard. On m'a dit que tu étais très bavard et qu'il fallait te couper. Donc, tu vois. Ouais, c'est ça. Laurent, à toi. Oui, donc moi, je suis Laurent Pinatel. Je suis paysan dans le département de la Loire, producteur de lait, producteur de viande. Et je suis porte-parole de la Confédération paysanne depuis 2013. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, la Confédération paysanne, en 1987, 30 ans l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qui a fait que la Confédération paysanne est apparue un jour dans le paysage agricole français? Il faut remonter à l'essence du syndicalisme. Je vais essayer de faire court, mais c'est quand même important de revenir dessus. Où, au sortir de la guerre, il y a eu ce qu'on appelle le serment de l'unité syndicale au niveau agricole, où les gens ont fait un serment de rester unis, indivisibles, pour défendre l'agriculture, la corporation paysanne, enfin on l'appelle comme on veut, bref, avec des gens qui étaient là pour maintenir en place un système agricole qui était en pleine ébullition. En fait, l'après-guerre, ça a été quelque chose d'assez marquant pour l'agriculture, même aujourd'hui, puisqu'il y avait un besoin immédiat de reconstruire l'Europe, il y avait un besoin très fort aussi d'atteindre l'autonomie alimentaire au niveau européen pour éviter que les États-Unis nous mettent aussi sous coupe avec de la capacité pour eux de venir produire ou nous vendre leur alimentation. Donc il y a eu toutes les lois de modernisation qui ont été mises en place par Edgar Pisani, qui est un des ministres de l'agriculture qui a le plus marqué le paysage agricole. Edgar Pisani qui est décédé il y a une quinzaine de jours. Et Edgar Pisani qui a mis en place en 60-61 deux lois d'orientation pour moderniser l'agriculture qui étaient complètement légitimes à l'époque où elles ont été mises en place avec un volet formation, avec tout un panel de modernisation de l'agriculture. Ouais, je trouve pas d'autres mots. En parallèle, à la FNSEA, qui était le syndicat unique et majoritaire, s'est créé une section jeune qui a été présidée assez rapidement par quelqu'un du Puy-de-Dôme qui s'appelait Michel de Baptiste. Et il y a eu une espèce de connivence de Baptiste Pisani pour moderniser l'agriculture, pour faire en sorte qu'on arrive à produire plus de kilos de céréales, plus de kilos de viande, plus de kilos de lait par vache et par ferme et par hectare. Et là-dessus, c'est venu aussi la PAC, la politique agricole commune, qui avait aussi pour but d'atteindre au niveau européen une autonomie alimentaire. Je schématise un peu, mais il y a quand même de ça. Et là, cette connivence Pisani de Baptiste va mettre en place ce qu'on appelle la co-gestion, c'est-à-dire que la FNSEA, le CNJA, sa section jeune, se sont mis à co-gérer l'agriculture avec le ministère, et de Baptiste était quelque part le conseiller de Pisani, et Pisani prenait ses conseils auprès de la FNSEA et du CNJA, qui pouvaient à la limite se comprendre dans cette période où un peu perturbée, mais c'est quelque chose qui s'est installé durablement. Et en parallèle, à l'intérieur de la FNSEA et du CNJA surtout, il y a des voix qui se sont élevées pour dire, mais en fait, le modèle agricole qu'on met en place, il correspond plus en fait. Déjà, dès la fin des années 60, puisqu'il y a eu un contre-rapport d'orientation au Congrès national du CNJA, qui était fin des années 60, 68, 69, 68, je crois, par Antoine Richard notamment. Enfin, il y a eu des contestations à l'intérieur de la FNSEA, et plus on a avancé, plus ces contestations, elles ont été nombreuses, sur la défense des petits paysans, sur la défense des gens qui étaient opprimés, notamment par l'industrie agroalimentaire, les gens qui étaient intégrés dans des systèmes où l'industriel de l'agroalimentaire amenait l'aliment, amenait les animaux, reprenait les animaux et s'il restait quelque chose, payait le paysan. Il y a toute cette structuration de défense des paysans qui s'est vue jour dans les années 70 à l'intérieur de la FNSEA.
puis progressivement à l'extérieur de la FNSEA, puisqu'il y a des structures départementales de la FNSEA qui ont été exclues, notamment celle de Loire-Atlantique, qui était trop contestataire. On leur a dit, mais allez voir ailleurs. Et il y a eu des FNSEA comme ça qui ont été exclues, il me semble le Finistère et le Puy-de-Dôme, j'en suis sûr. Voilà, il y a eu ça. Et là, il y a eu deux stratégies différentes, des gens qui se sont dit, on va créer un mouvement à l'extérieur de la FNSEA pour revendiquer une autre agriculture, pour revendiquer une défense des travailleurs différente, et des gens qui étaient persuadés qu'on pouvait faire bouger les lignes à la FNSEA. Et ces deux mouvements ont cohabité grosso modo jusqu'à l'élection de Mitterrand en 81, où on a enfin eu une loi sur le pluralisme syndical, puisqu'on n'avait pas le droit d'avoir différents syndicats en agriculture. Et là, très rapidement, les deux structures se sont organisées pour créer la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans, c'est-à-dire les gens qui étaient plutôt à l'extérieur, enfin qui étaient à l'extérieur ont formé le CNSTP, et les gens qui étaient à l'intérieur ont créé la Fédération nationale des syndicats paysans, la FNSP. Ces deux structures qui sont parties aux élections chambres en 83 sur des listes différentes. Et en 86, cohabitation, Mitterrand appelle Chirac comme Premier ministre, et Chirac prend comme ministre d'Agriculture le président de la FNSEA, direct. François Guillaume, puisque c'est lui dont il s'agit, commence par dire « on va faire crever les syndicats minoritaires, on leur coupe les vivres ». Et là-dessus, il y a eu une réaction des syndicats minoritaires de dire « mais en fait, c'est plus tenable, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on forme quelque chose pour peser par rapport à la cogestion de la FNSEA, pour peser dans le paysage agricole français ». Il y a eu tout un processus de concertation des départements, et en 87, la naissance de la Confédération paysanne, qui est issue de la fusion, entre autres, du CNSTP et de la FNSP, mais aussi d'autres structures syndicales qui étaient restées autonomes. Et la Confédération paysanne, on parle de Confédération paysanne, mais il y a deux lignes en dessous de Confédération paysanne. C'est Confédération paysanne, syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs. Et c'est vraiment très marquant dans le paysage de la conf aujourd'hui. C'est ces deux lignes-là qui étaient aussi, quelque part, deux des lignes qui étaient dans la CNSTP et la FNSP. Et c'est quelque chose sur lesquels il faut qu'on s'appuie et qu'on s'appuie, nous, Confédération paysanne. Syndicat pour une agriculture paysanne, c'est-à-dire accompagner la transition agricole, changer de système agricole, parce qu'on voit bien aujourd'hui avec la crise, encore plus qu'en temps normal, les paysans, ils crèvent du système dans lequel on les a enfermés. Et en parallèle, la défense de ces travailleurs. C'est-à-dire que le mec qui est dans un système aujourd'hui qu'on pourrait considérer comme étant ultra-industriel, on le considère comme étant une victime du système et on va le défendre là où il est, en essayant de l'accompagner pour changer de système. Mais c'est vraiment ces deux leviers sur lesquels on s'appuie. En parallèle, la Confédération paysanne adhère à une structure européenne qui s'appelle Via Campesina Europe et au Mouvement mondial des paysans, Via Campesina. Donc une dimension internationale avec des liens... Et des questions qui se posent forcément, c'est quels sont les résultats des pratiques et des politiques agricoles publiques en Europe sur les pays tiers? Comment on organise ou on refuse d'organiser le commerce et le libre-échange autour de la planète? Donc il y a des liens très forts avec ces structures européennes et mondiales, la VIA notamment, et je vois Josie qui est dans la salle qui est notre représentante à la VIA qui pourra en témoigner tout à l'heure. Il y a ça. Après, comment on s'est structuré, nous, Confédération paysanne, pour essayer de donner des espaces de démocratie? Alors déjà, il y a des règles très strictes sur les cumuls de mandats en termes de nombre d'années. Nous, on a un comité national. Le comité national qui est l'exécutif de la Confédération paysanne, l'organe politique de la Confédération paysanne, on a des durées de mandat limitées à 8 ans. 8 ans, c'est un peu plus que le mandat d'un député. Donc on sait très bien, en rentrant au comité national, que 8 ans après, on en ressort et il n'y a pas de dérogation. Moi, par exemple, je suis rentré en 2011, je sais très bien qu'il me reste au maximum 3 ans à faire. C'est des mandats de 2 ans. Il y a aussi une règle qui a été introduite, me semble-t-il, en 2001, lors du congrès de Castres, qui est une règle sur la mixité. C'est-à-dire d'avoir en représentation dans notre organisation une féminisation des postes qui correspondent à la part, grosso modo, des chefs d'exploitation qui sont des femmes. C'est-à-dire qu'on estime qu'aujourd'hui, il y a 30 à 33% de femmes chefs d'exploitation. On a dans nos statuts l'obligation d'avoir à minima 30% de femmes dans l'organisation. C'est quelque chose qu'on essaye de faire progresser. On a eu un gros travail l'année passée sur la féminisation des textes, sur des attentions qu'on doit porter encore un peu plus à ces sujets-là. Mais voilà comment on essaye d'instaurer aussi les pratiques, d'être cohérent par rapport à la démocratie au sein de notre organisation. Et dernier point, c'est le lien avec nos structures départementales. On est une confédération paysanne, c'est-à-dire que les paysans adhèrent à des départements.
des confédérations paysannes départementales. Après, on a une structure régionale et une structure nationale. Et c'est ce lien-là qu'on travaille avec une année très particulière qui vient de s'écouler, puisqu'avec la réforme territoriale, on a des régions qui se sont vues imposer un calendrier et des rythmes de travail complètement délirants. Je parlais hier ici avec Philippe Coutant, qui est le porte-parole de la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, donc qui va du Pays Basque jusqu'aux portes de la région centre, et c'est très compliqué pour nous d'avoir ce calendrier imposé, cet éloignement des lieux de décision, de l'endroit où les paysans vivent et luttent. Donc voilà, on est aussi sur ce travail-là. Et puis pour le reste, j'y reviendrai après. Ils sont aussi bavards l'un que l'autre, voyons si le troisième est de même nature. Bonjour. Bon, moi, j'ai un petit problème. J'ai une petite extinction de voix. J'espère pouvoir ne pas faire qu'écouter, mais parler un peu dans ce débat. Donc, je suis Gilles Denigaud. Je suis de Saint-Nazaire. Et j'ai été 34 ans docker et assez longtemps secrétaire général du syndicat des dockers. Je suis également à ma place ici dans ce conflit contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, puisque de très longue date, je suis un écologiste pour avoir été déjà, c'est l'avantage de l'âge vis-à-vis de certains, dans le comité de soutien de René Dumont et bien des combats contre le nucléaire, les extensions portuaires sur Dongest et tout ce qui contribue, comme la construction de cet aéroport, à détruire les écosystèmes et à ne rien renforcer en ce qui concerne les problématiques d'emploi. Donc voilà, moi, quand je suis arrivé comme docker, j'ai adhéré au syndicat, comme tous les dockers de France. Parce que dans la famille des dockers, on adhère immédiatement au syndicat parce qu'on comprend qu'il y a besoin d'une organisation syndicale pour défendre les travailleurs. J'ai donc adhéré au seul syndicat qui existait sur le port de Saint-Nazaire, comme dans les autres ports, à peu près tous, par quelques-uns, avec des petits syndicats minoritaires, donc au syndicat CGT. Et le syndicat CGT des dockers, c'est pas la on n'adhère pas à la confédération quand on est docker, je vais essayer de faire comprendre ça rapidement, on adhère à une fédération qui est la fédération la plus puissante de la confédération syndicale CGT, c'est la Fédération Nationale des Ports et Docks, celle des dockers et des travailleurs portuaires. Pas la plus puissante en nombre, probablement, la plus puissante dans son autonomie, c'est contestable, mais c'est un fait que j'explique, et la plus puissante dans son pouvoir à être en capacité à bloquer l'économie dans sa quasi-totalité, puisque nous l'ignorons souvent, 95% des marchandises que les uns et les autres consommons a peu ou prou un passage maritime et portuaire. C'est donc un levier absolument extraordinaire. Donc, j'ai adhéré au syndicat CGT, j'en suis devenu délégué, puis secrétaire général du syndicat. Je vais vite passer l'histoire qui a mené à cette scission, en quelque sorte. Il y a eu une réforme politique en 1991, dite réforme Jean-Yves Le Drian, qui était ministre de la Mer, sous le gouvernement Rocard, puis le gouvernement Cresson. Deux conceptions se sont opposées dans le débat interne de la CGT des Ports et Docks. Celle qui consistait à dire « nous négocions nationalement et on ne cède rien, ce sera le statu quo ». Nous ne voulons pas de cette réforme qui consistait à transformer tous les dockers de France, à les faire passer du statut de l'intermittence de l'emploi au statut de la mensualisation. En gros, je drasse là le cadre général. Nous avions bien vu, en ce qui concerne notre organisation syndicale à Saint-Nazaire, qu'il n'y aurait pas de recul du gouvernement là-dessus et qu'il faudrait négocier dans les ports pour essayer de trouver les meilleures adaptations possibles, même si ce sont des mots qui parfois ne conviennent pas à certains dans le jargon syndical. Nous avons, en tant que syndicalistes, un mandat des adhérents et quand ils nous demandent de négocier pour leur intérêt, nous négocions pour le mieux avec les navettes qui s'imposent avec les salariés. Donc là, deux conceptions se sont opposées. Une conception centralisatrice, avec, de manière sous-jacente, des règlements de compte un peu politiques
entre une fédération politisée proche du Parti communiste et le Parti socialiste. On réglait les comptes également des départs des ministres communistes du gouvernement. C'était quelque chose qui nous était, qui nous indifférait. Nous, à Saint-Nazaire, ce n'était pas notre affaire. Et donc, il y a eu un conflit interne, un désaccord profond. Et donc, nous avons, à Saint-Nazaire, accepté la négociation avec les entreprises et créé, dans le cadre de cette mensualisation, car nous avions compris que, là encore, les entreprises et le patronat, les patronats portuaires et le gouvernement voulaient créer des grands ports, sorte de hub, comme on dit dans les ports et dans l'aviation, d'ailleurs, au Havre et à Marseille principalement, et les autres, ils se débrouilleraient à essayer de vivoter avec les emplois qui resteraient. Donc nous avons négocié, mais nous n'avons pas négocié n'importe quoi. Nous avons négocié et créé non pas une mensualisation où les dockers rentraient dans l'entreprise et perdaient une partie de leur pouvoir et de leurs avantages sociaux. Nous avons négocié, un, aucun licenciement dans le cadre de cette réforme. Deux, réembauche donc de tous les dockers au sein d'une méga structure dans laquelle nous avons négocié un actionnariat pour les dockers, une sorte de coopérative d'actionnariat salarié, où nous avons été majoritaires dans le capital. Donc cette société de main-d'œuvre qu'ont géré les dockers à ce moment-là, ça a été une société de mensualisation dans laquelle il y a eu de multiples avantages sociaux fort intéressants, dont je suis certain qu'à moyen terme, le salariat en France aura à s'en inspirer pour ne pas être totalement dépossédé de tous ses pouvoirs et de tous ses moyens. Je parle du salariat du secteur privé qui se trouve dans de grandes difficultés dans bien des endroits. Et bien sûr, il y a eu les foudres de notre fédération, puisque nous n'étions pas dans la ligne et nous ne faisions pas la sacro-sainte grève qui s'imposait à tous quand la Fédération nationale à Paris le décidait. Qu'importe, nous avons considéré avoir toute notre place avec cette différence d'appréciation à l'intérieur de la CGT. C'était pour nous une conception démocratique que des opinions différentes puissent s'exprimer. Entre un port comme Roscoff avec 9 dockers et Le Havre avec 4000, on ne met pas forcément le même menu dans la négociation pour défendre les salariés. Donc nous n'avons pas été entendus, mais nous n'avons pas été exclus de la CGT. Nous avons ensuite été rejoints dans un désaccord fracassant au port de Dunkerque, où là, les copains de la CGT se sont affrontés avec des violences excessivement fortes, pour être modérés. Nous n'avons pas été exclus, tout simplement quand nous avons commandé pour Saint-Nazaire les 300 cartes syndicales et les 12 timbres mensuels qui vont avec en envoyant le chèque pour payer toute l'année à notre fédération, et 1000 à Dunkerque, on nous a retourné le chèque sans commentaire. Donc nous avons été totalement ignorés. Il n'y avait plus d'exclusion, mais il y avait un rejet. Et à chaque fois que donc nous avons considéré et fait nôtre ce slogan, le syndicat appartient aux travailleurs, pas aux appareils. Donc c'était un slogan qui est encore notre banderole dans nos locaux syndicaux ici ou là. Et donc voilà, l'affaire s'est faite comme ça. On a essayé de négocier avec Louis Vianney, puis avec ensuite Bernard Thibault. Ça a été absolument impossible parce qu'il y a eu le blocage de notre fédération nationale. Qu'importe. Au bout d'un moment, à chaque fois qu'on s'exprimait en considérant qu'on était quand même à la CGT, sans avoir les cartes syndicales, on nous le reprochait immédiatement dès qu'il y avait une prise de position, de ne pas payer d'être des fraudeurs, de ne pas payer nos cartes syndicales, etc. Ça a duré quelques années. On a donc voulu, à partir de ça, considérer qu'il nous fallait, oui, cher monsieur, qu'il nous fallait nous organiser. Et donc, à partir de là, c'était difficile pour nous. Nous avons voulu garder notre autonomie au niveau national. Et donc, on a essayé d'avoir la reconnaissance nationale en tant que syndicat de branche, on va dire, la branche portuaire de manutention. Et ça a été difficile. On l'obtient verbalement avec Martine Aubry
et Elisabeth Guigou en 99. Mais c'est Guesso, le ministre des Transports, il s'assoit sur le dossier, le gouvernement change, on recommence le bal avec Fillon qui arrive derrière, et Fillon trop content, la banane, bien entendu, de créer une brèche, mais nous, ce n'était pas notre problème, nous voulions exister. Donc nous avons eu en 2000 la reconnaissance nationale qui perdure, qui existe. Nous sommes pas très nombreux, mais nous fédérons aujourd'hui le port de Dunkerque, celui de Saint-Nazaire, une section syndicale importante dans les pétroles à Marseille, mais également tous les dockers outre-marins qui étaient les grands délaissés de toutes les confédérations françaises. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation et après je suis à votre disposition pour les questions éventuelles. Il est vraiment aussi bavard que les autres. Hein. Maintenant, on va aborder, je pense que c'était important, on voit bien, ils sont intarissables sur leur histoire, mais la question syndicalisme et démocratie, il faut la poser aussi de façon beaucoup plus globale. Qu'est-ce que vous faites pour faire progresser la démocratie en termes de liberté, en termes d'expression? Avez-vous un projet de société? C'est un peu dans la même démarche. Et un peu en subsidiaire, et Nicolas a commencé à l'aborder, je l'ai stoppé tout à l'heure, le monde du travail aujourd'hui s'est restreint et laisse sur le bord de la route des bataillons de chômeurs et de précaires. Y a-t-il une réponse syndicale pour les intégrer? À vous de jouer, dans le même ordre, la vieille dame d'abord. Et... Bon, alors... Oui, j'avais commencé un petit peu à évoquer ça tout à l'heure. Alors évidemment, pour faire progresser nos idées, j'ai envie de dire, il y a deux choses. Hein. On a parlé plutôt de la démocratie interne dans notre syndicalisme. Alors c'est pareil, hein, j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais comme Laurent, on a bien sûr des règles de mandatement limitées, 3 fois 3 ans au niveau national. Après, les structures décident elles aussi, parce que ça aussi, c'est la souveraineté. Je peux avoir des syndicats où il n'y a pas de règles de limitation de mandat, etc. La préconisation, c'est quand même de limiter les mandats. Deuxième chose, c'est de absolument pas participer à du favoritisme, des choses comme ça. On a les carrières syndicales, pour nous ça n'existe pas, c'est pas un métier d'être syndicaliste, comme ça devrait pas l'être d'être un politique, mais c'est une autre histoire à partager ou pas. Donc il y a cette affaire de vocation, évidemment, et puis en même temps voilà, un jour on retournera sur le lieu de travail, on fera autre chose, etc. Donc ça, c'est super important, parce que ça veut dire qu'il y a pas on s'ancre pas là-dedans. Et aussi, Laurent, je suppose que c'est pareil chez vous aussi, on est remis en question. À chaque congrès, évidemment, il y a des élections, il y a à l'intérieur des suffrages très clairs, des tendances, des textes, et on est, je ne vais pas dire qu'on est comptable de nos résultats parce que ce n'est pas un joli mot, mais on a une très forte responsabilité sur ce qu'on dit qu'on va faire, les campagnes, etc. Ça, c'est un truc, on ne peut pas programmer dans un congrès, avoir des grands mots sur le féminisme, l'antiracisme, etc., et ne pas mettre ces choses-là en pratique. Ça, c'est un petit peu pour l'intérieur. Sur l'avancée, alors, il y a un truc qui est terrible, et j'avais vraiment dit de le dire ici. Je sais pas, à la sortie du lycée, personne sait ce que c'est qu'un syndicat. C'est quand même assez fabuleux que pendant tout le cursus de l'éducation, on va emmerder les gamins, les parents vont les emmerder, on va emmerder les parents en disant faut qu'ils se trouvent une filière, faut qu'ils se trouvent un truc. Et le gamin en terminale, voire en troisième, hein, ce qui arrive aussi à beaucoup de gamins, il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui existe dans sa vie professionnelle qui va venir, et que bon an, mal an, c'est quand même les gens qui vont négocier son salaire, qui vont négocier ses conditions de travail, qui vont le défendre et qui vont être là quand il va avoir des problèmes. Et il y en a énormément en ce moment sur les prud'hommes, c'est lunaire. Alors moi, je le savais du point de vue professionnel par rapport à la fonction syndicale qu'on a, parce qu'on syndique beaucoup dans le public, mais aussi énormément dans le privé. Hein. Vous venez tous les jours à Solidaire, il y a la queue dans l'escalier parce qu'il y a un bureau de prud'homme, on est ouvert. Et quand on défend les gens, on leur demande pas d'adhérer. Donc évidemment, ça attire du monde. Et je l'ai découvert aussi quand ma gamine elle s'est fait virer elle faisait ses études, elle s'est fait virer d'un bistrot avec un SMS. C'est quand même génial. Donc voilà l'histoire des prud'hommes. Et elle a appris à la dure, j'ai envie de dire, ce que c'était qu'un syndicat, parce qu'elle s'en préoccupait pas trop, etc. Elle a découvert ce que c'était que la bourse du travail, le prud'homme, les machins, la duplicité des employeurs et compagnie. Voilà. Donc il y a une question d'éducation populaire qui va beaucoup plus loin que ça, ou nous, ce qu'on peut faire. Il y a aussi, au niveau de la collectivité, le travail à faire pour apprendre aux gens qu'il y a un outil qui est indispensable. Alors je vais pas dire telle crèmerie ou tel truc et tout, mais que c'est quelque chose qui doit nous accompagner, qui nous accompagne dans la vie professionnelle. Et on l'a vu récemment, donc encore une fois sur la loi El Khomri, avec un sursaut complètement normal et démocratique, où il y a
Au fond, il y a une majorité, il n'y a pas qu'une majorité de Français dans l'opinion publique, il y a une majorité d'organisations syndicales qui sont contre ce travail législatif qui est là pour la loi El Khomri. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, mais c'est ça. Très vite aussi sur comment on arrive à rassembler et à syndiquer les non-syndiqués. Alors ça a été super intéressant, notamment sur les nuits debout et ces choses-là, où il y a eu des soirées, il y a eu des commissions, des collectifs et tout, et où il y a vraiment une question. Il y a des gens qui ont découvert ce que c'était que le syndicalisme un petit peu, on va dire ça comme ça. Et puis il y a en même temps une demande avec des gens qui disent mais moi, la plupart, hein, alors on va pas se raconter de salade, c'était plutôt des jeunes qui étaient plutôt diplômés, qui étaient plutôt blancs aussi, c'est un fait. Hein, je vous parle surtout de Paris, Place de la République. Mais c'était comme ça, et qui étaient très curieux, qui n'avaient pas vraiment d'a priori. Ils étaient juste, c'est sûr qu'ils étaient antiracistes, c'est sûr qu'ils étaient féministes, et c'est sûr qu'ils étaient probablement de gauche, hein, c'est ce que je dis un peu à tout le monde, mais on ne pouvait pas trop leur dire, parce qu'ils disent, bah oui, mais de quelle gauche? Moi, je ne suis pas dans ce parti, dans ce truc et tout. Donc on avait des gens qui avaient un mental, les Américains, ils disent progressistes, mais c'est un peu compliqué, et c'est des gens qui étaient complètement ouverts à ces choses-là. Et parmi eux, une énorme proportion de gens qui étaient précaires, enfin qui sont précaires, qui font des études, qui rament, qui tirent la langue, et qui étaient assis là à la place de la République, parce qu'ils voyaient bien que la loi qui se profilait, ça allait être pour eux. Ils allaient encore déguster encore plus. Et évidemment, les questions derrière, c'était comment on s'organise, comment on organise des populations précaires, comment on organise des stagiaires, comment on organise des alternants. On voit bien que les grosses boîtes, hein, moi, en connaissance de cause, la Poste, elle embauche à peu près 3500 alternants par an. Elle en dégage 80% à la fin de l'année. C'est juste du CDD. Sauf que c'est des CDD sur lesquels elle ne paye pas de charges sociales. Donc ça, c'est des explications qui vont de soi. C'est des choses qui sont complètement pertinentes. Et évidemment, des gens, un alternant, il va venir vous demander, mais est-ce que je peux me syndiquer? Est-ce que je peux pas? Personne lui dit ça. Donc il y a toujours ce travail d'expliquer, d'apprendre, de faire ces choses-là. Donc voilà. Alors sur tout ce monde, aussi sur l'économie sociale et solidaire, où des associatifs, ça pas forcément qu'ils peuvent se syndiquer. Ils sont pas forcément accueillis à bras ouverts dans les syndicats. Solidaire, on a Sudasso, donc ça c'est très bien, ça c'est fait. Ils peuvent adhérer et ça marche, il y a des débats, ils arrivent à construire ce truc-là. Ça c'est un peu pour notre échelle, mais il y a une vraie réponse, il y a une vraie porte ouverte à avoir sur ça. Alors évidemment, on compense, j'ai envie de dire, parce qu'on travaille pas mal avec des associations comme Agir contre le chômage, comme le MNCP, etc. Mais avec évidemment, on a énormément de boulot et énormément de choses à faire, mais la cohorte, j'ai envie de dire, la cohorte des travailleuses, des travailleurs, des jeunes et tout, elle est là. Les gens qui ont manifesté là, si vous avez vu toutes les manifs qu'on a pu voir, il y avait le cortège syndical au syndicat. Et devant, il y avait 2-3 000 personnes toujours qui étaient là, qui ne se reconnaissaient pas forcément dans un syndicat ou l'autre, mais qui disaient, moi, je veux être là, je veux être devant, je l'ouvre, je ne suis pas content de ce qui se passe, je suis précaire, je livre des repas en vélo, des machins comme ça et tout. Et ils étaient là. Ça, c'est un peu sur le... Après, j'arrête, mais juste pour dire qu'à l'échelon européen aussi, il y a un truc qui se crée. Alors, c'est un peu curieux. On a découvert ça à partir de Blockupy. Vous savez, le blocus de la Banque Centrale Européenne qu'on a fait l'année dernière, en mars. Dans le cadre des préparations de Blockupy, il y avait pas mal de mouvements sociaux européens qui arrivaient. Et on a eu des Italiens qui sont arrivés et qui se réclament de ce qu'ils appellent la Transnational Strike. Alors, on les a vus arriver, on se demandait ce que c'était. Et en fait, ils ont un objectif qui est très, très simple. Ils disent... À travers l'Europe, les questions de migration, les questions de précarité au travail, etc., c'est des choses qui sont vraiment énormes, où on voit des cohortes et des cohortes de gens qui sont surexploités, etc. Comment on les organise? Comment on les défend et comment ils arrivent à exister. Et ils essayent de construire ça. Alors l'année dernière, il y a eu un événement, cette année, le 1er mars, l'année dernière, ils essayent de se réunir. Et leur rêve, c'est d'arriver à faire une grève transnationale européenne des précaires. C'est-à-dire, en gros, les gamins qui sont loufia dans des bistrots, tous les petits métiers, les gens qui sont partout, vont arriver, ils vont poser le plateau, ils vont arrêter le truc et tout, et ils vont dire, bah, aujourd'hui, j'arrête de bosser, puis vous allez voir ce que ça donne quand les précaires s'arrêtent de travailler. Donc ça serait un truc extraordinaire à faire. Énorme, énorme ambition, mais bon, c'est un exemple de ce qu'on peut être capable de faire. Tu disais, la question c'était comment on contribue, nous syndicats, au fonctionnement démocratique, un truc comme ça. Alors déjà, au niveau agricole, on a quand même des spécificités par rapport à d'autres syndicats. C'est que nous, en face de nous, il n'y a pas un patron, puisque le patron, c'est nous, quoi.
Et pourtant, on ne fixe pas aussi facilement que ça nos salaires, puisqu'on est dépendant de tout un tas de choses. Donc en face de nous, on a une multitude d'acteurs. On a l'État, parce que la politique agricole est quand même une politique qui est beaucoup rythmée par les décisions publiques, par les subventionnements, par l'orientation qu'on veut donner à l'agriculture. On a aussi en face de nous les gens qui collectent et qui transforment les produits qu'on produit sur nos fermes, que ce soit du blé, du lait, de la viande. Et il y a généralement, dans la majorité des cas, une interface. Et puis après, il y a aussi tout un tas d'autres acteurs plus locaux, les conseils régionaux, les conseils départementaux. Enfin, il y a tout un tas d'acteurs et il faut qu'on soit un peu les interlocuteurs sur tous ces fronts. Donc ça, c'est la première chose. Après, sur le constat que la politique agricole, elle ne convient pas à nous, à ce qu'on estime être devoir la grande priorité, c'est-à-dire avoir des paysans nombreux, on décline ensuite deux autres niveaux. Le niveau de la mise en place d'un projet alternatif, ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, alors en revendiquant des politiques qui vont dans ce sens, mais aussi en mettant en place sur le terrain d'autres pratiques agricoles. Enfin, Michel Berroco l'a bien dit tout à l'heure avec ce que porte la chambre alternative du Pays Basque. Il y a ce niveau-là de mettre en place les alternatives. Il y a aussi un autre niveau qui est le niveau européen, français, départemental, mais aussi international. Comment on arrive à concilier tout ça? Et puis en face de nous, on a quand même des paysans qui sont majoritairement encore adhérents du syndicat. Le syndicat agricole, la profession agricole qui reste de façon assez hégémonique, de moins en moins mais toujours, la FNSEA. Et de tradition, les gens sont plutôt à frapper à la porte de la FNSEA qu'à frapper à la porte de la Confédération paysanne, bien que, avec toutes les alternatives qui sont mises en place, je pense notamment à ce que disait tout à l'heure Dominique, avec les SIAP, avec toutes ces coopératives qui accompagnent les gens dans d'autres pratiques agricoles, on a un retour quand même de jeunes paysans qui viennent plus facilement à la Confédération paysanne. Alors il y a tous ces niveaux-là, et puis après, il y a le passif et le passé de chaque paysan sur sa ferme. Des paysans qui ont pu très tôt avoir des opportunités de réorienter leur production agricole, de faire de la vente directe parce qu'il y a des consommateurs pas loin, de passer en bio parce qu'il y a une coopérative pas loin qui va valoriser, d'avoir des rencontres qui font prendre conscience que oui, maintenant que j'ai posé une partie de mes investissements, je peux peut-être redéployer l'agriculture sur ma ferme d'une autre façon. Et puis il y a des gens qui n'ont pas eu ces possibilités-là et qui se sont peu à peu enfermés dans des systèmes qui aujourd'hui sont plus vivables. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? La solution la plus facile et qui serait la plus, la plus royale, ça serait de dire, écoutez, il y a les bons, il y a les mauvais. Et puis les bons, c'est ceux qui ont fait leur transition agricole. Regardez, ils s'en sortent, c'est super bien. Nous, on veut que ces gens-là, ils continuent à vivre. Et puis les autres, ils avaient qu'à faire le choix. Merde, quand même. Et puis, on se dit que c'est pas forcément comme ça qu'on imagine l'agriculture, parce que dans les vraiment fondamentaux de la Confédération paysanne, il y a ce terme de paysans nombreux. Et les paysans nombreux, c'est les voisins qui n'ont pas fait le même choix que nous, c'est les voisins qui n'ont pas eu la capacité à faire le même choix que nous, c'est aussi des voisins qui sont en train de contribuer à mettre en place une agriculture qui va bouffer des autres. Mais ces gens-là, on est obligé de les prendre en compte. À partir de là, on a la chance d'avoir un projet agricole assez réfléchi, l'agriculture paysanne, assez finalisé, et qui représente la colonne vertébrale de notre projet politique. Quand on a des propositions de Stéphane Le Foll ou de la Commission européenne, un des premiers réflexes instinctifs, c'est de dire « est-ce que ça rentre dans le cadre ?» quoi ? Est-ce que ça correspond avec le schéma, avec l'agriculture qu'on veut demain ? Oui, non. Et en fonction de ça, on dit « non, ça ne nous va pas ». Mais on n'en reste pas là, parce que dénoncer, c'est hyper facile, mais on propose. Sur la PAC, le cadre de départ, il correspondait pas. Nous, on est plutôt sur des primes à l'actif. On aimerait qu'il y ait une aide à chaque paysan, quelle que soit son activité. Ça, on l'a pas obtenu. On aurait pu dire, tant pis, quoi. Non, on a pris ce que Stéphane Le Foll et la Commission européenne nous proposaient. Et à partir de là, on a reconstruit des propositions avec la réalité des faits et qui nous disent qu'est-ce qui sera le meilleur dans le cadre qui nous est fixé. C'est vraiment, il y a un cadre défini. On peut contester le cadre. Mais on doit aussi contester la façon dont, à l'intérieur du cadre, ça s'organise. Et c'est cet équilibre-là qui est très, qui fait des va-et-vient permanents entre les politiques publiques, les responsables politiques, la Confédération paysanne, les confédérations paysannes dans leur diversité, parce qu'on n'appréhende pas forcément les réformes de la PAC de la même façon ici en Loire-Atlantique que dans le Var, que dans le Grand Est ou que dans les zones céréalières. Et c'est comment on arrive à faire cette synthèse-là qui fait que la Confédération paysanne, elle va continuer à rester unie et qu'elle va peser dans le débat public. Alors forcément, ça ne va pas toujours aussi vite qu'on veut. Forcément, ça ne va pas aussi loin qu'on veut. Mais il faut qu'on arrive à rester cette force de proposition.
cette force de proposition d'une autre politique. Et puis de temps en temps, c'est quand même bien d'avoir des combats sur lesquels on arrive à gagner, sur lesquels on arrive à acter des choses très fortes pour éviter des retours en arrière et éviter la dérive industrielle de l'agriculture. Et là, on rentre encore dans une troisième dimension, j'allais dire, dénoncer, proposer, mais aussi construire. Construire et construire, c'est forcément passer par des stratégies d'alliance. Sur, par exemple, le lait de vache, qui pour le moment est en grosse crise et dont on parle peu en rapport à la crise qui est subie, où on va assister à une baisse du prix du lait en juillet, ce qui est pour moi historique. D'habitude, on remonte légèrement en juillet. Là, on va continuer de baisser. Donc, on est dans une crise sans fin, où on n'arrive pas à avoir de prise. Le comité national de la Confédération paysanne, réuni la semaine dernière à Bagnolet, a décidé de lancer des stratégies de négociation avec d'autres acteurs du paysage agricole français, notamment la FNSEA, parce qu'il nous semble que le plus important aujourd'hui, c'est d'aller chercher des mesures européennes qui vont empêcher la crise de continuer à bousiller les vies des paysans. Ça peut paraître contre nature, c'est pas le plus simple d'aller construire avec des gens avec qui on s'oppose plutôt généralement, mais il nous semble qu'aujourd'hui c'est primordial. Et c'est sur ces fondamentaux-là, là, dénoncer, proposer, construire, auxquels moi je tiens beaucoup, que la Confédération paysanne, elle se construit, elle se nourrit, et puis qu'elle génère aussi le débat à l'intérieur d'elle-même, puisque forcément, on a des gens chez nous qui sont beaucoup plus radicaux, des gens qui sont beaucoup plus sur le développement, qui disent qu'il faudra mettre tout le pognon pour accompagner les alternatives, et puis bah, on a cet équilibre-là. Et c'est pas toujours simple, en fait. C'est pas toujours simple, mais je pense qu'il faut toujours travailler en permanence sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, et puis continuer d'avancer en parallèle. Vraiment, moi, j'y tiens beaucoup. La mise en place du projet, ce qui se fait dans les SIAP, ce qui se fait dans la mise en place de l'agriculture paysanne dans les départements, et en parallèle, inévitablement, dénoncer les politiques publiques et revendiquer une meilleure répartition des aides. Voilà, en gros, ce que j'avais à dire sur cette question de comment nous, on nourrit la démocratie en interne à la Confédération paysanne et retourner sur le monde agricole, avec aussi une spécificité de la Confédération paysanne, de considérer quand même que de toute façon, les paysans, on est 2% aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pèse plus, enfin, c'est une réalité. Et que si on veut se faire du mal, on peut même se dire que la Confédération paysanne représente que 20% de ces 2%, enfin, représente que 20% des 50% qui ont été votés, qui font partie des deux. Donc, est-ce qu'on va réussir à peser, à créer des rapports de force tout seul ? Ben non. Et à la Confédération paysanne, on revendique le fait que les paysans ils produisent 100% de l'alimentation. Et sur cette thématique alimentaire, on ne doit pas être les seuls concernés. On doit vraiment, les citoyens doivent vraiment contribuer à tracer des horizons alimentaires différents. Et nous, on doit se nourrir de ces réflexions-là pour revendiquer des politiques agricoles différentes sur l'aménagement du territoire, sur des sujets qui peuvent à la limite, un peu moins nous être de notre ressort de pur syndicaliste. Mais on doit aller dans le champ beaucoup plus large parce qu'on est porteur d'un projet agricole qui ne peut pas s'insérer dans le projet de société qu'on a actuellement. Alors nous, on n'a pas vocation à aller chambouler les équilibres sociétaux et économiques qui sont mis en place. Mais le projet de l'agriculture paysanne, même si un jour on a un gouvernement qui nous dit « Ok, vous voulez quoi ?» Et tout ce qu'on demande, on l'obtient. Si on ne change pas le cadre politique, économique, législatif dans lequel s'inscrit le reste de la société, notre projet ne pourra pas voir le jour. C'est pour ça que la Confédération paysanne, elle a appelé à se mobiliser contre la loi travail. C'est pour ça que la Confédération paysanne, on a répondu favorablement aux sollicitations des gens de Nuit Debout, où on s'est croisé avec Nicolas sur des interventions voilà, pour apporter la pierre à l'édifice. Parce qu'on n'a pas vocation à changer la société. Mais notre projet agricole ne peut que s'insérer dans une société qui changera. Très bien. Il a parfaitement tenu le temps, c'est magnifique. T'as 10 minutes, Gilles. Oh, c'est beaucoup trop. Oui, et comment on fait vivre la démocratie ? Eh bien, tout d'abord entre nos syndicats de différents ports de manière tout à fait horizontale, puisque nous sommes une coordination et non pas une confédération. Et donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Le principe de la démocratie fonctionne parfaitement bien. Après, sur le terrain à l'intérieur, c'est le principe. Moi, maintenant, je suis à la retraite. Je suis parti il y a presque 10 ans à la retraite dans le cadre des travailleurs exposés à la... Pardon. Exposés à l'amiante. Et donc, nous, on est dans le principe de l'assemblée permanente, en quelque sorte, puisqu'il y a une assemblée par semaine, une réunion du conseil syndical. Elle est ouverte aux salariés qui veulent y participer, qu'ils soient ou pas syndiqués, je le précise. Et il y a une assemblée générale mensuelle, où tout le monde peut, bien sûr, donner son avis. Ça me paraît le minimum que l'on puisse faire. Mais
ce qui m'intéresse le plus, c'est peut-être l'impatience de l'âge du mien, c'est ce que nous gâchons. Est-ce que nous sommes capables de comprendre le pouvoir que nous avons? Où sont les pouvoirs? J'entends parler depuis mon plus jeune âge où j'ai commencé le militantisme, il faut créer le rapport de force, il faut agir sur les politiques, il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, bien sûr, nous le faisons du mieux que nous pouvons les uns et les autres dans tous les champs de la société où il y a un engagement militant. Parfois nous gagnons, parfois nous ne gagnons pas. Ce que j'ai envie de dire, c'est je crois sincèrement en regardant ces choses-là, que l'antagonisme essentiel, je t'ai entendu en parler, il se situe entre les travailleurs qui travaillent chaque jour pour avoir un salaire, avoir un revenu, un salaire, et en face, le système qui est un système économique qui est incarné seulement par le patronat qui, lui, va et vient, et change et se modifie. C'est donc ce système économique qui est un système du produire et vendre avec profit qui est l'antagonisme essentiel. Eh bien, notre problème dans le mouvement ouvrier, je le dis sans retenue, je suis mécontent de ce que nous faisons de notre force et du syndicalisme. Aujourd'hui, les ouvriers, depuis longtemps bien sûr, depuis la loi Le Chapelier, sont organisés, c'est la forme d'organisation du salariat. Il y a de moins en moins de syndiqués, les gens, on ne leur donne pas envie. Pourquoi ça fonctionne de cette manière-là? Parce que les syndicats ont quelque part délégué le pouvoir de la transformation sociale aux partis politiques. Et je suis certain, je le dis, que c'est une fausse route, puisque les partis politiques, avec plus ou moins de bonheur, représentent l'économie qui les met en place pour se développer et pour se conserver. C'est un véritable problème qui devrait être les thématiques de réflexion du futur pour les générations de travailleurs qui arrivent avec une précarité accrue, etc. Enfin, bon sang, comment on peut, dans une société où il y a en permanence dans tous nos métiers. Moi, je l'ai vu, j'ai commencé à porter les sacs sur mon dos. Aujourd'hui, on appuie sur le bouton d'un ordinateur, on décharge des milliers de conteneurs en quelques heures, ce qu'il fallait des centaines de travailleurs en plusieurs semaines, voire en plusieurs mois. Il y a donc une relève inexorable du travail humain par la technologie, par la découverte humaine, par la science, etc., qui ne profite pas au monde du travail, qui fabrique des exclus, qui fabrique de la précarité. Et en face, il y a des marchandises qui sont invendables à des producteurs qui n'ont pas été rémunérés. Donc nous ne rendons pas compte de la force dont nous disposons. Le pouvoir économique réel, c'est nous qui l'avons. Quand chaque jour nous allons produire pour avoir un salaire à la fin du mois, nous le faisons aujourd'hui pour le capital. Qu'est-ce qui nous empêche de réfléchir comment on pourrait le faire pour nous-mêmes et de quelle organisation politique démocratique nous avons besoin pour que ce soit une société égalitaire et non plus ce système mortifère, dévastateur des écosystèmes dans tous les sens du terme? Ça, c'est un véritable problème de réflexion sur le fond. Et donc, j'ai pas envie... Je pourrais raconter ma vie, l'histoire du syndicalisme, le bien, le machin et tout. Ça ne me paraît pas être l'essentiel et la priorité. La priorité, sur quoi nous interrogeons-nous? Sommes-nous capables demain de dire, puisque la production elle existe, qu'elle distribue les richesses, qu'elle attribue à tous un revenu, un salaire dissocié du travail, réellement dissocié du travail, parce que la production pour satisfaire les besoins, elle existe. C'est ça ce que certains ont appelé il y a longtemps, et j'ai milité pour le longtemps syndicalement pour le revenu social garanti à tous les licenciés et à tous ceux qui ne trouvaient pas d'emploi. Ça se réintroduit dans la vie publique sous forme de revenu de base, de revenu universel. Il faut travailler là-dessus, mais non pas comme une substitution à ce qui existe comme allocation de chômage, mais comme un réel droit des travailleurs. Nous avons parlé du droit au travail, il n'est pas respecté. Parlons du droit à la vie, puisque la production des richesses existe. Voilà la réflexion que devrait incarner le salariat avec ou sans ses dirigeants syndicaux actuels. Merci.
Ah, c'est pas mal hein, quand ça s'enflamme un peu pour un mec qui n'a pas de voix. On va passer aux questions maintenant. Je vais en prendre, je vais les prendre trois par trois. Et alors, il nous reste une petite heure à peine. Hein, donc voilà. Donc je demanderai dans les réponses aux questions à nos trois débatteurs d'essayer d'être synthétiques, précis, concis. Voilà, les premières questions. Hop là, deux ici. Donc bonjour, moi je me suis fait virer de la CFDT en étant en activité sociale et j'ai donc eu le choix soit de rester à l'intérieur de... Enfin, soit, comment... aller au CRC qui se créait, donc qui est devenu Sud Santé Sociale, c'est à peu près à la même époque qu'on s'est fait virer, et ou bien intégrer la CGT qui est une force syndicale qui est dominante. Donc moi la question que je voudrais poser justement par rapport au aux enjeux du syndicalisme, parce que on est encore un pays où il existe un syndicalisme de lutte. Hein. Il y a des pays où le syndicalisme fait partie intégrante de la machine. Bon, donc comme l'enjeu du syndicalisme, certains se rappellent, et Gilles vient de le redire de manière très forte, qu'il contribue à la transformation sociale, je voulais savoir quelle était la place, en quoi c'était intéressant, parce que je me suis posé la question quand j'ai été sortie de la CFDT, c'est est-ce que je vais à la CGET et je transforme de l'intérieur, je bouge les lignes à l'intérieur de la CGT, enfin, j'étais pas toute seule, hein, on était un certain nombre, ou est-ce que on est la petite fourmi rouge qui va essayer de déstabiliser les choses, mais en même temps, on est isolé, on ne participe pas aux négociations nationales, etc., etc. On a des difficultés. Donc, moi, je voulais savoir, puisqu'on a choisi, et je trouve que c'est intéressant, de faire venir des intervenants qui sont des intervenants de syndicats minoritaires, quel est l'intérêt du syndicat minoritaire? Est-ce que c'est par défaut, finalement, avec l'usage, ou est-ce que c'est, ça a vraiment un intérêt parce qu'il y a une liberté d'action, parce qu'il y a une manière, justement, d'approfondir la question de la démocratie syndicale et de, et de poser la question de qu'est-ce que c'est que la démocratie, du coup, dans une structure qui est peut-être plus petite, qui pèse peut-être moins dans les rapports sociaux, mais dans lequel il est peut-être plus possible d'agir. Voilà. Question intéressante, mais essayez de les poser de façon un peu plus concise. Tu veux qu'on réponde tout de suite? Et vous avez le droit de répondre. Hein, ouais, mais non, mais c'était. Je pensais que tu faisais tout le. Bon, je le fais. J'y vais. Je préfère comme ça parce que non, c'est pas forcément la même nature. Après, vous rajoutez. Mais si on vous voulez, perd mais... pas de temps si je vais. Non, j'ai envie. Oui, c'est. Je te voyais te déplacer pas très vite d'ailleurs. Bon. C'est des débutants, quoi. Non, mais c'est une question un peu piège et c'est marrant que tu la poses parce que c'est une question qui s'est posée au début à la fondation de Sud PTT. Et moi, un jour, j'ai dîné avec un, à l'époque, donc il y avait France Télécom, La Poste, on était dans une seule entité. Et un jour, j'ai dîné avec un des administrateurs de France Télécom CGT. Et pendant le dîner, il avait gros sur la patate en disant, mais vous êtes, je trouve ça complètement con que vous ayez créé Sud PTT. Vous auriez dû venir à la CGT pour la changer de l'intérieur, etc., etc. Bon, si on aurait su, etc., etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, après, c'est comme tu le sens. Si tu te fais virer de la CFDT, c'est pour des raisons claires, et puis c'est que ce syndicat te correspondait pas ou que tu lui correspondais pas. Après, le libre choix, il est fait. Est-ce que la structure CGT Santé, ça te va? Est-ce que CRC, Sud Santé Sociaux, c'était bien, etc.? Tout ce qui est en ce moment, c'est qu'on est en train de se construire. On parlait d'un jeune syndicat. Alors, on est à la fois jeune, à la fois vieux, hein, 25-30 ans. Le problème, c'est que on est dans les affaires de démocratie, on est dans les affaires de représentation.
représentativité, on ne peut pas faire l'impasse l'un sur l'autre, et Solidaires se construit doucement. Assez doucement et assez difficilement. Je vous prends très très vite la loi de 2008 qui ne prend la représentativité que dans le secteur privé. Là, il y aura des élections TPE-PME. Or, évidemment, Solidaires est plutôt fort dans le secteur public. Donc, c'est compliqué. Compliqué de grimper, etc., avec un socle de représentativité dont on prend en partie qu'une seule portion. Après, le débat, moi, j'ai pas de regrets d'être à Sud-PTT ou de trucs comme ça. C'est une question, comme tu disais, il faut qu'on regarde un peu vers l'avenir, etc. Elle s'est certainement posée. Maintenant, aujourd'hui, c'est dans Sud et dans Solidaires, qui est issu de Sud, il y a Unitaire. Et je ne fais pas de trucs à deux balles ou de démagogie, mais on n'arrivera pas tout seul. On a bien vu que sur la loi travail, il y avait FO, avec toutes les différences qu'on peut avoir, la CGT, Solidaires, les syndicats étudiants, etc. Et l'unité dans ce truc-là, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent en France, qui est une véritable force. Et alors, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais par rapport à l'étranger, on a des énormes avantages par rapport au syndicalisme à l'international. On verra s'il y a des questions après, mais c'est clair. Voilà. Je ne vais pas être plus long. Ouais, par rapport à la fin de l'intervention là sur est-ce qu'on fait le choix d'aller sur un syndicat minoritaire parce que il y a plus de marge de manœuvre à l'intérieur. Enfin, nous à la Confédération Paysanne, on estime qu'on a vocation un jour à devenir majoritaire. Et le projet qu'on porte, il est suffisamment fort, il est suffisamment transversal au niveau sociétal et au niveau paysan pour qu'on ait cette vocation à devenir majoritaire. Après, on s'organise, nous, à l'intérieur, comme un syndicat minoritaire, c'est-à-dire, je l'entends, en termes de financement et en termes de rapport de force. On voit bien aujourd'hui que la volonté de la FNSEA de gérer l'agriculture sur un projet politique totalement opposé et totalement différent du nôtre, et c'est ça qui fait qu'on n'est pas à la FNSEA. C'est pas parce que c'est plus confortable de militer à la Confédération Paysanne, c'est parce que le projet politique, et politique au sens noble du terme, qui est porté par la Confédération Paysanne, c'est pas le projet politique porté par la FNSEA. Et il faut que nous, on se donne les moyens de fonctionner, peu importe à la limite, j'allais dire, notre confort personnel à l'intérieur de la structure. C'est le but. Le syndicat, c'est un outil, quoi. C'est un outil pour poser un autre cadre politique. C'est un outil pour proposer aux politiques, et je suis pas tout à fait d'accord avec l'intervention précédente, moi je pense qu'il y a un moment où le syndicat s'arrête et le politique commence. Nous, on doit proposer, on doit influencer, et c'est charge aux politiques qui ont une légitimité électorale qu'on n'a pas, très large, enfin c'est censé être comme ça, hein. Ils ont cette légitimité pour mettre en place des politiques. Donc voilà, nous, simplement pour redire qu'on porte un projet, on le confronte aux idées des autres, on essaye d'avoir une base la plus large possible pour effectivement devenir majoritaire. Il y a des sujets sur lesquels on est majoritaire et on posera des débats de majoritaire. Mais après, en attendant, sur le projet global, nous, on fonctionne dans l'intérêt des paysans qui sont adhérents chez nous, mais dans l'intérêt du plus grand nombre des paysans aussi, quoi. Oui, moi je voulais poser une question qui est un peu sur le même sujet. Vos trois expériences là, en fait, ce sont des scissions de syndicats majoritaires, voire très puissants, voire même quasi monopole pour les dockers. Et donc ma question, c'était de savoir quel est le rapport entre la puissance du syndicat et la démocratie interne. Est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps? C'est-à-dire que on voit bien qu'au niveau de la CGT, même si c'est des situations très variées, mais il y a une centralisation avec une certaine part en bas. Mais on voit bien quand c'est très centralisé, ça facilite les prises de décision rapides et les mouvements de masse, et c'est peut-être plus facile d'être puissant. Ou est-ce que c'est la puissance en elle-même qui fait qu'il facilite les prises de pouvoir aux dépens de la démocratie? Donc, parce que le dicton dit prolétaire de tout pays, unissez-vous. Mais quand on veut s'unir, je trouve que c'est pas simple de faire vivre à la fois la démocratie en interne et à la fois d'avoir un syndicat de masse. Enfin, les deux semblent difficiles à faire cohabiter. C'est une question compliquée. Quel est le rapport entre un syndicat puissant, quasi monopolistique, et la démocratie? J'ai envie de dire, il est inversement proportionnel, pratiquement. En ce qui concerne le secteur dans lequel je viens. Ça ne veut pas dire néanmoins qu'il ne peut pas en être autrement. Donc je pense malgré tout, ce n'est pas parce que nous avons
sur les ports, une syndicalisation à 100%. Et c'est une bonne chose. Quel que soit le choix des salariés, qu'ils aient envie de se syndiquer et d'agir collectivement pour donner leur opinion personnelle est une bonne chose. C'est ce qui manque dans la société française de manière très forte. Mais il faut-il encore que la boîte à outils, qu'est le syndicat, elle permette qu'il y ait une expression individuelle qui se transforme en expression collective, voire en mouvement collectif, voire en revendication, etc. Et très souvent, c'est un peu là que ça coince, parce que les syndicats, parfois très puissants, là je parle de branches, hein, de fédérations, comme celles que je connais, la question démocratique s'arrête au rôle du bureau fédéral, et quelquefois, on consulte les secrétaires généraux qui, en général, suivent. Nous vivons dans un système qui, comme une grande partie de la société, est le système de la croyance. Nous suivons comme des croyants. Certains croient en leur curé, d'autres en leur chef de syndicat, d'autres en leur chef de parti. Il est temps que nous ayons une expression personnelle qui devienne véritablement une force collective dans le cadre d'un débat qui soit démocratique. C'est ça qu'il faut mettre en place. Ça, c'est difficile à mettre en place. Quant au relais de la question politique, bien sûr, tu as raison, Laurent. Nous sommes habitués à ça. Le syndicat pousse jusqu'au bout pour que le politique entende sa revendication. Mais est-ce que c'est une fin en soi, ou est-ce que nous pouvons réfléchir sur le dépassement de cette chose-là ? Donc c'est se réinterroger sur le rôle du politique qui redonnerait une place à tout le mouvement social, qui fait que quand même dans le mouvement social, la majorité des gens qui le composent, l'individu est décomposé en deux êtres, le travailleur citoyen et le travailleur salarié. L'un peut agir, et l'autre, il agit sur la sphère politique, l'autre peut agir sur la sphère économique en s'organisant dans son entreprise et dans le cadre de la société. C'est un autre débat, mais c'est un véritable débat. Il n'y a plus de recherche aujourd'hui sur ce que nous pouvons faire pour changer le système. Le système, c'est l'économie. Il faut changer l'économie. Une économie qui fait de la production pour vendre et qui est incapable, parce qu'aujourd'hui il y a une incompatibilité entre le développement des forces productives et précisément cette économie, il faut la changer. L'économie capitaliste, elle n'est pas éternelle. Il y a eu une autre économie qui l'a précédée. Et on ne réfléchit plus là-dessus. Nous sommes strictement dans la réforme. Nous le faisons tous les jours et nous n'avons pas le choix. Il faut le faire. Nous avons un mandat pour ça. On fait ce que l'on peut, mais on a arrêté la réflexion collective. Il y a eu des intellectuels qui, à une époque, travaillaient dans la recherche. Il n'y a franchement plus grand-chose aujourd'hui sur l'éducation populaire et sur ce qu'il faut changer pour véritablement modifier la société. C'est ça le message que j'ai envie de faire passer. J'avais aussi un commentaire à faire sur ce que Gilles a dit tout à l'heure par rapport aux revenus de base et tout ça, puisque c'est quand même pas mal dans l'air du temps, on en parle. Et moi, ça fait écho en moi et en même temps, j'ai d'autres questionnements. Ça fait des boomerangs dans tous les sens parce que ça vaut ici, si je le transpose à ce que nous sommes, notre économie, etc. Je vois de quoi ça parle, mais quand je pense à l'agriculture et à tous les esclaves, parce que tout n'a pas été mécanisé, il y a énormément de travailleurs esclavagisés dans le monde. D'ailleurs, ça transite probablement aussi par les ports. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Je crois que là, dans les débats qu'on a eus, qui ont été tout à fait passionnants, on a un peu oublié tous les travailleurs au niveau international qui souffrent pour que nous ayons cette abondance. Cette abondance, elle n'est pas universelle. Il y en a qui crèvent la faim, qui crèvent sans toit, qui crèvent de tout, pour que nous ayons cette abondance. Donc je crois que dans le débat, il faut qu'on rééquilibre un tout petit peu pour se rappeler que, voilà, tout ce qu'on a, il y en a quand même qui ont trimé pour qu'on l'ait. Et dans la revendication du revenu universel, elle peut évoquer quand même une certaine inégalité. Parce qu'on va la revendiquer pour tout le monde, universellement, pour tous les habitants de la Terre. Moi, je ne demande que ça. Mais je voudrais voir comment ça va être applicable. Le problème pour l'appliquer...
Le problème pour l'appliquer, c'est qu'il faut déjà qu'on accepte d'en débattre. Après, la solution du combien, pour qui, comment, où et à quelle heure, c'est pas un détail, bien sûr, mais ça fait partie des éléments que l'on met sur la table, y compris ceux que tu as évoqués sur les pays où c'est très compliqué et que, où, sur lesquels nous contribuons au pillage, etc. Et tout ça, je le sais, je le partage. Néanmoins, aujourd'hui, je ne pense pas qu'un revenu universel créerait une société plus inégalitaire. Vous savez, quand moi je militais syndicalement pour des augmentations en volume, c'est-à-dire 100 francs pour tout le monde, et après c'était des euros par mois, plutôt que des pourcentages pour éviter de creuser la hiérarchie des revenus, hein, où toutes les centrales syndicales pratiquement se battaient pour des augmentations en pourcentage, l'écart hiérarchique, le rapport était de 1 à 7. Regardez comment il est aujourd'hui. Il est scandaleux. La hiérarchie aujourd'hui dans la société française, elle prend plus au salaire moyen que le profit capitaliste lui-même. Et on ne s'interroge pas là-dessus. Donc, sur la question des inégalités, un véritable diagnostic, accepter d'en débattre, faire un diagnostic, rechercher collectivement les solutions, semaille de démocratie, là, encore et encore et encore. Alors, je voulais juste dire un petit... Alors, c'était un peu sur les deux, revenus universels, etc. Alors, donc, on a, nous... Évidemment réfléchir. Alors, en plus, dans des secteurs, vous imaginez les postes où ça n'est pas vraiment reluisant, les volumes de courrier qui bêlent, vous ne faites pas de dessin. Les télécommunications, avec la numérisation, la digitalisation, où il y a des gros problèmes sur l'emploi, etc. De réfléchir à ce qu'on fait plus tard, quels sont les emplois, etc. Nous, on avait plutôt tendance à parler d'un statut de salarié qui était déconnecté de l'emploi, etc. En fait, je le fais en caricatural, mais rien ne change pour le banquier. C'est horrible ce que je dis. Mais tu continues à avoir ton salaire, ta mutuelle, ton machin. Rien ne change le temps que tu te reconvertisses, que tu trouves autre chose. Ou rien. Et ça, c'est un truc qui passe très difficilement parmi les syndicalistes, parce que nous, on parle de réduction du temps de travail, de partage du temps de travail, mais à un moment donné, il va peut-être y avoir plus assez de travail pour certaines catégories de personnes, quand on voit ça. Après, sur ce que tu dis sur l'internalisation, les échanges de marchandises, etc., évidemment qu'il y a des questions à se poser là-dessus, sur la relocalisation, etc. Ça va peut-être mettre sur la paille des camarades dockers, c'est dommage. Mais en effet, les marchandises qui transitent, toutes ces choses-là et tout, les accords qu'on voit entre la France et l'Afrique, les ALE, les choses comme ça, où on va exporter des poulets, alors c'était la caricature, les poulets danois congelés qui partaient en Afrique, des trucs de fous comme ça, c'est des choses qui peuvent absolument pas durer et dont on peut pas se contenter. Alors évidemment, la globalisation d'un revenu universel, un cosmopolitisme comme ça, ça serait vraiment le truc idéal. Le seul souci, j'arrête, c'est qu'on a affaire à des sociopathes. C'est-à-dire que la corporation, l'entreprise, il y a un film qui date de 2003 qui est génial là-dessus, où ils font un bilan psychiatrique de ce que c'est qu'une multinationale. Vous avez Bhopal, par exemple, vous avez fait des milliers de morts. Est-ce que vous vous sentez coupable? Non. Je suis une multinationale. Est-ce que vous comptez réparer? Non. Je suis une multinationale, etc. Et toutes, ils font des cases. Et à chaque fois, la mauvaise case est cochée. Et à la fin, ils disent, si c'était un humain, ça serait un psychopathe. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment, où on a un système. Alors le souci, c'est que la représentation politique, on voit la loi travail en ce moment, qui est un truc complètement lunaire, qui est exactement l'inversion de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, au lieu de mettre l'homme au service du travail, on met le travail au service de l'homme. On met l'homme au service du travail. On est exactement dans ces choses comme ça. C'est des choses de sociopathes. On est ennemi de la société, voilà. Et ça, bon, alors on va pas sûrement résoudre ça aujourd'hui, mais les pistes sur ces choses-là, elles sont infinies, voilà. Laurent, tu veux intervenir? Non, c'est bon. D'accord. Oui, j'ai une question, mais d'abord, je me permets de faire deux petites réactions à ce que j'ai entendu sur le revenu de base, là, la dame. Peut-être qu'en fait, est-ce qu'il manque pas d'aller plus loin et d'aller jusqu'au salaire à vie, qui là, je pense, prend bien le point politique en main et sans en négliger le plus gros. Et sur la question des syndicats minoritaires, enfin, je sais pas, c'est vraiment une réaction personnelle, mais je pense que quand on a besoin de réinventer un autre monde, il faut un énorme débat avec un mélange d'idées, et c'est hyper important d'avoir des opinions minoritaires qui apparaissent, quoi. Donc en plus, on voit que les gros, ils ont tendance petit à petit, à travers leur base qui elle est beaucoup plus flexible, beaucoup plus mélangée, petit à petit ils se mettent à suivre les petits.
Et sinon, ma question, c'était juste par rapport peut-être au monsieur de la Docker, là. C'était quand vous avez fait le constat, et nous, enfin, moi, je suis du collectif Loi Travail à Brest. Ça fait plusieurs mois qu'on se bat et qu'on a fait le même constat que ce que vous avez énoncé. On arrive à la conclusion que la difficulté d'interagir avec les unions locales, d'établir un dialogue avec eux, on arrive à la conclusion, nous, que c'est parce qu'ils oublient le volet politique, en fait. Ils sont focalisés sur l'aide aux salariés, et finalement, par manque de temps, de main d'œuvre, je sais pas, enfin de bras, finalement, ils ont tendance à toujours mettre ça en priorité et oublier et laisser le politique en secondaire. Est-ce que ma question, c'est juste, est-ce que, vu que vous constatez la même chose, est-ce que c'est quelque chose qui est un dysfonctionnement du système, ou est-ce que c'est quelque chose qui est acté quelque part à un endroit? Est-ce qu'à un moment, dans les directions nationales de la CGT, il se dit, non, la chose la plus importante, c'est le politique, ça passe en second, quoi. Voilà. Je suis désolé, j'ai pas bien entendu la question. Donc je ne veux pas répondre à côté. Je ne me dérobe pas. On peut en discuter après, si tu veux. Mais j'ai entendu un peu de quoi il s'agissait, mais je ne veux pas répondre à côté. Si vous avez entendu et que vous souhaitez répondre, faites-le. J'ai pas bien compris. Non, pour être honnête, si tu pouvais reformuler. J'essaie d'être concis. Bon, c'est moi qui n'ai pas été clair, donc. Vas-y. Tu as dit tout à l'heure qu'il manquait de politique dans les syndicats, maintenant. Les syndicats avaient laissé le débat politique aux partis. Tu as dit ça tout à l'heure. Et donc, ce que je me demandais, si c'est un constat, voilà, un dysfonctionnement, c'est-à-dire c'est un état de fait, on se rend compte que c'est ça qui se passe, ou est-ce que ça va plus loin? Est-ce que c'est les syndicats qui ont décidé officiellement, dans ce cas-là, tu parlais de la CGT, est-ce qu'il y a quand même, est-ce que c'est un débat, un constat qui est fait au niveau des directions nationales, et donc est-ce que il y a eu, voilà, est-ce que c'est une décision de faire comme ça, ou est-ce que c'est uniquement on aimerait bien que ce soit autrement? Non, je crois que ça s'inscrit. J'ai compris, pardon. Hein. Je crois que ça s'inscrit dans un processus historique. À la naissance des syndicats, vous aviez la charte d'Amiens, où là, c'était clair. Les syndicats avaient une vocation de transformation sociale. Et c'est toute l'histoire des conflits entre les syndicats et les partis, qui n'ont jamais été visibles, mais qui ont toujours existé. Certains partis voulant avoir des courroies de transmission. Et puis, petit à petit, les partis se sont arrogés le fait qu'ils étaient, ils ne cessent de le dire, leurs électeurs, à tous les scrutins, grands et petits, avec eux, ça va changer, ils vont faire le changement, ils expliquent qu'ils vont faire le changement. Si bien qu'il y a eu un abandon des prérogatives syndicales aux partis, parfois parce qu'il y avait un lien très étroit entre les dirigeants des uns et les dirigeants des autres, et on a donc un peu délégué aux partis politiques une force que nous avions pour réfléchir sur tous les sujets sociétaux contemporains qui se présentent à nous aujourd'hui, ceux qu'on a évoqués, probablement bien d'autres, mais on ne peut pas le faire sans réinventer de la démocratie en permanence. Je ne sais pas si je réponds bien, mais voilà, essayez de comprendre. Moi, par rapport à ce débat qui est plus sur les grosses centrales syndicales, je me sens moins concerné, mais moi je pense qu'on a devoir, quand on est en fonction syndicale, quand on nous a confié l'exercice du pouvoir à un temps donné, puisque nous c'est un temps même très limité, on a obligation d'organiser le débat démocratique et de nourrir le syndicat d'apports politiques. On a obligation d'aller interroger les gens, d'avoir des avis contradictoires pour vraiment qu'on porte en permanence un projet politique et non pas simplement des revendications conjoncturelles ou passagères. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur l'agriculture paysanne tout à l'heure, qui est notre projet politique. C'est quelque chose qu'on aimerait... Si on nous demande un jour, mettez en place votre projet, c'est celui-là, quoi. Et après, on décline les outils en fonction du cadre qui nous est donné. Et ça, c'est très politique. Ça peut paraître technique, mais l'agriculture paysanne, c'est effectivement de la technique. Mais c'est extrêmement politique. Et je pense qu'à différents degrés, tous les syndicats doivent avoir cette obsession de faire de la politique au sens noble du terme. Hein. Pas faire de la politique, comment j'accède à un poste qui va faire qu'un jour je serai député ou ministre, enfin je sais pas, mais c'est pas forcément ça.
Et juste, alors là-dessus, c'est super important parce que on va pas se raconter d'histoire évidemment, qu'un syndicat il fait de la politique. Évidemment qu'en ce moment l'opposant numéro un et ça leur coûte très cher. Et là, je dis vraiment la CGT, ils ont mangé grave là. C'est quand même hallucinant comment s'est fait traiter la CGT pendant toute séquence loi travail. Politiquement, c'était l'opposant numéro un au gouvernement. Et c'est tout. Et au programme de la loi travail, etc. Et évidemment, on peut pas s'en abstraire du tout. Nous, à Sud PTT ou à Solidaire, on a fait je sais pas combien de communiqués contre la violence d'État, au-delà de la loi travail. Mais sur la violence d'État, ce qui s'est passé là, qui est très grave, il y a eu un cran qui a été passé, on en parle dans la tente à côté là. Mais c'est quelque chose de très grave. Quand on prend un positionnement comme ça, quand on rappelle des valeurs, etc., on fait profondément de la politique. Et c'est complètement normal d'aller sur un truc pareil. Oui, il n'a pas été question encore de la démocratie syndicale dans l'entreprise. Ce que je peux dire, malgré que les syndicats ne sont pas parfaits, comme chacun le sait, il n'empêche que là où il y a des travailleurs, où il y a des syndicats, ils sont quand même mieux traités et mieux respectés que quand il n'y en a pas. Hein? Alors aussi, en ce qui concerne la démocratie syndicale, les travailleurs sont bien quand même consultés quand il y a des négociations avec l'employeur et quand on décide d'une grève, elle ne se fait pas sans l'avis des travailleurs. Hein, ça, c'est quand même une forme de démocratie. Complètement. Oui, je l'avais repéré. Attends, je fais mon boulot. T'as pas besoin de le faire. Mais moi, j'ai la pression parce que je le vois. Merci. Et après, oui, mais... Ouais, bon, syndicalisme et démocratie, est-ce que c'est la démocratie dans le syndicat ou est-ce que c'est le syndicat pour la démocratie? Moi, personnellement, en tant que partisan de la charte d'Amiens, je suis pour le syndicalisme pour instaurer la démocratie. Lorsque j'entends effectivement qu'on nous dit, grosso modo, on délègue aux politiques les choix de société, moi, ça me pose un petit souci. Ça me pose un petit souci, c'est-à-dire je considère que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et le syndicalisme a été construit sur le projet de la charte d'Amiens, c'est pas le terme unionisme international qui veut dire finalement des corporations, le terme syndicalisme veut dire syndicalisme révolutionnaire, c'est ce qu'a créé la CGT en 1895, c'est-à-dire que tous les salariés soient syndiqués dans une même confédération. Et le terme de confédération, ce n'est pas union de syndicats. C'est les bourses du travail. On fait du travail dans notre syndicat, on fait aussi du travail dans notre quartier, dans notre ville, pour mettre en place des services socialisés. Et je pense que cette vision-là, effectivement, doit être construite. Et la question que je pose, par rapport à la loi travail, on ne va pas se mentir, les syndicats étaient dans la lutte. Moi, je suis à la CGT, on était dans la lutte. Mais c'était les militants qui étaient dans la lutte. La plupart des salariés n'étaient pas dans la lutte. Les millions de chômeurs n'étaient pas dans la lutte, parce qu'ils ne sont plus dans la lutte. La CGT les a organisés dans les années 20, hein, les marges des chômeurs, etc. C'était la CGT qui le faisait. Là, actuellement, effectivement, on a un syndicalisme face à un État qui avait instauré une sorte de social-démocratie depuis 1945. On a un syndicalisme aujourd'hui, effectivement, qui n'est plus dans un système de paritarisme. Et comme on est sur un élément de rupture, puisque l'article 2, c'est la remise en cause, en fait, des conventions collectives, donc des acquis de 1936, à partir de là, on est sur une confrontation. Effectivement, nous devenons des terroristes. Moi, ça ne me dérange pas, hein, par rapport aux capitalistes aujourd'hui, effectivement, ce sont des ennemis de classe, je pense qu'il faut l'assumer. Mais par contre, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce que c'est de recréer des syndicats minoritaires aussi démocratiques soient-ils, ou est-ce que c'est de créer une seule confédération avec un projet, effectivement, de création d'une société différente? Je regrette, hein, mais revenu de base, non, salaire à vie, mise en place de la sécurité sociale, c'est pas rien. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer aujourd'hui un système en rupture en donnant la possibilité effectivement à tous les salariés d'être syndiqués et non pas ceux qui sont simplement dans la fonction publique ou dans des grosses boîtes? Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre des unions locales dans nos lieux? Je pense que là, ces questions-là sont aujourd'hui centrales. La question de la réunification syndicale, elle est effectivement essentielle. On doit se la poser. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment ou jamais. La question maintenant du développement de l'interpro, il est nécessaire aussi. Et ce d'autant plus, on va mentir, que dans les mois qui viennent, si hélas la loi passe, on va avoir des petites boîtes qui vont mettre en place l'article 2. Donc
ces boîtes-là, avec des systèmes inférieurs aux conventions collectives, vont remporter les marchés, on va avoir une baisse des salaires, on risque d'avoir des luttes dans les boîtes, y compris des boîtes non syndiquées, des luttes d'une violence qu'on n'aura peut-être pas connue. Comment est-ce qu'on fait pour intervenir ? Moi, mes questions, elles sont là. Reconstruire un syndicalisme sur ses vraies bases et effectivement avoir un vrai projet révolutionnaire, parce que de cette société-là, on n'en veut pas, c'est vrai. Il faut l'assumer, il faut la construire. Ouais, moi je vais dire deux, trois mots. Simplement, il y a plusieurs questionnements par rapport. Il y avait des militants dans les manifs et on n'a pas touché les autres, mais enfin, on est dans un cadre politique où ça fait pas envie de militer, quoi. Hein, la criminalisation absolue des actes syndicaux, la violence de l'État qu'on n'a jamais connue. Enfin, je veux dire, on en arrive avec le gouvernement Valls à une violence de l'État jamais connue sur les militants. Donc, il y a une volonté, mais vraiment affichée, de bousiller les mecs pour qu'il n'y en ait pas d'autres qui viennent derrière. Et effectivement, il y en a qui commencent à se dire « Attends, voilà, c'est déjà pas rose, mais je ne vais pas en plus aller en prendre plein la gueule. Je me contente de ce que j'ai. » Et c'est comme ça que le système, il est en train de se nourrir et de faire en sorte que nous, dans nos structures, on a quand même moins de gens qui se syndiquent. Et la vraie question, si tu la poses, c'est de dire comment on retrouve, comment on redonne de l'élan ? Est-ce que c'est en multipliant les syndicats minoritaires ? Moi, je crois que non. Est-ce que c'est en faisant un gros syndicat hégémonique et unique ? Je crois que non. Mais par contre, en créant des plateformes sur lesquelles on tombe d'accord avec nos identités propres, nous, on revendique ça. On a 10 points de revendication communs, on a 10 points de revendication chacun. Il y en a 4-5 communs. Et bien, comment on fait pour créer des plateformes, créer des lieux de débat et d'échange pour que ces points-là, on puisse les porter ? Après, je ne réponds pas du tout à la question comment tu fais pour qu'en dessous, les gens qui n'ont pas forcément accès à l'information, les gens qui n'ont pas forcément la culture du militantisme, tu les emmènes avec toi. Ben, moi, je pense que ouais, il faut nous donner de l'info, essayer de déconstruire ce discours fataliste qu'on a en face de nous, de dire ben, de toute façon, on n'y peut rien, c'est comme ça, quoi. C'est le développement économique. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, et c'est ce qu'on nous sert aussi ici sur cet aéroport, quoi. Le développement économique qui passe par là, mais c'est pas le développement économique, on s'en fout, puisque c'est la question du partage de la richesse créée par le développement économique qui est en question aujourd'hui. On peut bien créer 10 points de croissance s'ils sont aussi mal répartis que le peu qu'on a aujourd'hui, on ne changera rien. Et comment on arrive à faire comprendre ça aux gens, honnêtement, j'ai pas trop la réponse. Ouais, non, deux choses, c'est pour répondre à une intervention. Le rôle des syndicats, n'oubliez pas quelque chose, que 80% de notre temps en tant que syndicaliste, c'est défendre les salariés. Là, tu parlais des... Moi, je fais effectivement des permanences. On n'arrive pas à assurer les demandes des salariés qui sont dans la précarité et des problèmes de conflit du travail. Et si nous, en tant que syndicat, on n'arrive pas à répondre, c'est les avocats qui s'en font dans la poche. Et c'est 80% de notre temps, c'est celui-ci. Alors après, on essaye de faire ce qu'on peut, je le dis. Hein. Là, tu parlais tout à l'heure aujourd'hui, prenez la campagne massive aujourd'hui du patronat de la droite sur effectivement le syndicalisme. Ce qui n'est pas sur la CGT, y compris sur Solidaires, parce que je suis à Solidaires, on va en prendre plein la gueule. Et la réalité aujourd'hui, c'est que dans des boîtes, on essaie de se construire. Une fois qu'on a mis un salarié protégé, 6 mois après, le mec, il est viré. La difficulté de l'activité syndicale, elle est là. Et quand on dit que nous, les syndicalistes, on n'est pas représentatifs, on n'a pas beaucoup d'adhérents, on n'a pas beaucoup d'adhérents militants parce qu'on subit violemment la brutalité patronale. Et quelque part, bon, on le dit souvent, il y a plus de syndiqués... Il y a plus d'adhérents dans les syndicats, dans les partis politiques. Donc quand c'est ces politiques qui nous font des leçons, moi, rappelez-vous ces chiffres-là. Un délégué syndical, c'est un salarié protégé, mais 80% des demandes de licenciement de délégués syndicaux sont acceptées par l'inspection du travail. C'est ça notre réalité. Et si ce travail au quotidien délégué syndical, on le fait pas, on ne peut pas aller plus loin. C'est le béaba de notre activité syndicale, de notre activité. Si on ne fait pas ça, on n'a pas de poids et on ne peut pas aller plus loin. Après, sur le problème du syndicalisme minoritaire, je ne pense pas qu'on décide de faire un syndicalisme minoritaire. On décide d'abord, arrivé à un certain moment, de militer pour ce que tu crois. Moi,
je suis à Sud parce que j'étais exclu. Et si j'étais exclu, c'est qu'à un moment, on s'est opposé à une réforme. Et il y a eu un accord, effectivement, gouvernement, patronat et avec une organisation syndicale pour faire que cette réforme passe. Et pour qu'elle passe, il fallait exclure des gens d'une organisation syndicale. Donc, je n'ai pas vocation à être minoritaire. Moi, j'ai tendance à dire, je suis à Sud et j'ai espoir, effectivement, que le syndicalisme et les valeurs que je porte deviennent des valeurs majoritaires. Je ne me complais pas dans la minorité et dans, effectivement, le syndicalisme minoritaire. Je pense qu'on porte des projets et j'espère, effectivement, que ces projets, un jour, seront des projets majoritaires. Il n'y avait pas de questions, donc je passe au suivant. Oui. Mais peut-être répondre peut-être avant, non ? Non, mais il n'y a pas. Voilà, une question que je me pose. Une question que je me pose, le patron d'enseignement français com va être renvoyé aux assises après des suicides à France Télécom. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, au regard aussi, par exemple, du mouvement social que nous avons vécu, on va voir où s'il va continuer, est-ce que les syndicats se posent la question de à quoi ça sert le travail et pourquoi on travaille ? Voilà. Excellent. Très, très bien. Très bonne question. Vous voulez pas répondre ? Non mais c'est intéressant parce que on a eu alors c'est marrant que ça vienne de toi quand même. On a l'année dernière on avait fait un débat aussi sur le travail et à la fin du compte on se demandait oui à quoi ça sert le travail, pourquoi le travail. Moi franchement je ne sais pas répondre à ce genre de questions parce que on est dans le cambouis jour après jour et c'est vrai que ça pose une vraie question. Qu'est-ce que c'est ? Moi j'ai plutôt envie de dire qu'est-ce que c'est que la valeur travail ? C'est ça le truc essentiel, c'est de dire voilà, tu vois. Alors, c'est là où je crains énormément que tu poses cette question à 4h15, parce que là, on va partir sur le revenu de base universel en disant, mais pourquoi je travaillerais et pourquoi je paierais quelqu'un qui ne travaille pas, etc., etc. Alors, je suis désolé de renvoyer à ta question d'autres questions, mais c'est ça que ça ouvre comme débat. Ça veut dire qu'on va ouvrir un chapiteau et qu'on commence ce soir à 20h, quoi. Mais travail, pardon, travail, c'est trépalium, c'est l'instrument de torture. Mais bon, on n'a pas trouvé mieux pour le moment. Quand le travail deviendra une activité sociale, parce qu'on confond un peu le travail et l'emploi, ben on va pas commencer. Non, il y a une question là. Ah, pardon. Pardon, Michel. J'ai pas vu la dame. Bonjour, ça marche là ? Bonjour. Bonjour. Comment considérez-vous les médias par rapport aux syndicats minoritaires ? Est-ce que ce sont des alliés ou des ennemis, ou l'un et l'autre, par moment ? Merci. Les médias. Comment on considère les médias quand on est syndicat minoritaire ? Est-ce que c'est des alliés ou des ennemis ? Et il n'y a rien entre les deux ? Non, après c'est le rapport aux médias au-delà du syndicat majoritaire ou minoritaire. Moi, je pense que effectivement, enfin, on le voit bien, nous syndicalistes, quand on réfléchit à notre structuration, à notre stratégie syndicale, et comme ils peuvent le faire aussi ici sur cette zone, quand on réfléchit à une stratégie, on voit bien qu'il y a les gens qui viennent à nos réunions et ceux-là, ils sont plus ou moins au courant de notre discours. Il y a les gens qu'on arrive à toucher par d'autres biais. Et les autres biais, ben, c'est le relais médiatique. Comment on arrive à créer l'attention des médias pour qu'ils relayent notre discours et que notre discours il aille chez des gens qui vont pas naturellement venir chez nous écoutez, enfin je parle pour la Confédération Paysanne, sur le lait on peut faire 10 colloques, on va peut-être toucher à chaque fois 4-5 personnes sur 200 qui vont venir qui seront nouvelles. Quand on va faire une action un peu coup de poing, qu'on va profiter de cette action coup de poing pour sortir notre discours de fond sur l'actualité laitière, les médias vont relayer ce discours-là. Il y a des gens qui vont dire « Ah bah tiens, ouais, finalement, je ne les voyais pas comme ça. » Moi, je vois ce rôle des médias sous cet angle-là. Et puis après, les médias, ils ont aussi ce regard critique sur ce qu'on peut porter en étant réaliste ou pas. Enfin, il y a une expertise aussi médiatique des actions syndicales. Il y a une expertise médiatique du fond politique de ce qu'on porte aussi. Donc voilà, je ne pense pas que c'est ami ou ennemi. Hein, c'est... Juste là-dessus aussi, c'est au niveau des relations, ça,
Je disais tout à l'heure qu'on avait un devoir d'information. Je vais aller plus loin. Quand on regarde la manière dont fonctionnent les gros comités d'entreprise, les choses comme ça aujourd'hui, les trois quarts des documents, c'est confidentiel. Moi, j'ai siégé pendant 10 ans au conseil d'administration de La Poste, du groupe La Poste. Il y avait écrit confidentiel sur tous les documents. Mais dès le début, je leur ai dit, mais si vous me donnez un jour un document, je suis élu du personnel, sur lequel vous dites, on veut un projet qui va menacer 10 000 emplois. Évidemment que je ne vais pas le garder pour moi, que je vais le balancer, et que de préférence, c'est vers les médias qu'on le balancera, parce que c'est ça un peu le porte-voix. Donc il y a une espèce de jeu comme ça qui s'installe dans ça. Après, il y a, et sur la séquence loi travail, on l'a vu, ça a été assez infernal de voir décrier systématiquement le syndicalisme à la française, les difficultés à réformer, entre parenthèses, parce que la réforme c'est bien, etc. Et avec des âneries énormes où on n'arrête pas de comparer le syndicalisme à la française, entre guillemets, où on est entre 8 et 11% d'adhérents, et en disant, vous voyez, on n'est pas représentatif en France. Parce qu'à l'étranger, les syndicats, c'est 60, 65% et tout en moyenne. Sauf qu'à l'étranger, si je n'adhère pas au syndicat, je n'ai pas le contrat de travail qui est couvert par la convention de collective, premièrement. Je n'ai pas la caisse de retraite, je ne peux pas cotiser à la caisse de retraite, et je ne cotise pas au chômage. Parce qu'il y a plein de syndicats dans le monde, hors de France, en Europe et dans les pays anglo-saxons, où c'est le syndicat qui s'occupe de la caisse de chômage. Si je ne me syndique pas, j'ai ni contrat de travail ni truc. Et ça, il y a un énorme gap dans les médias français. Alors généralement, les journalistes sont pas si cons, ceux qui s'occupent du travail, ils le savent, mais ils l'occultent volontairement pour dire, vous voyez, vous représentez que dalle et vous nous foutez un bordel pas possible. Donc là, au niveau des médias, il y a quelque chose qui va pas, évidemment. Il nous reste 10 minutes, donc j'ai vu trois mains se lever, il y en a peut-être d'autres, on va en faire des frustrés, mais on va aller très vite. Posez vos trois questions rapidement et ils vont essayer de répondre à eux trois, ils vont s'arranger. Ok ? Il faut s'arranger. Je vais au plus rapide. Je vais faire très vite. La question est posée, parce que je suis donc le débat depuis le début. Elle est multiple, c'est quelle est la place du syndicalisme, comment on fait vivre de la démocratie, et y a-t-il un projet politique autonome? Donc il y a eu des éléments de réponse. Mais ma seule question est la suivante. Il y a un Front National aux abois. On va avoir une situation sociale déjà qui s'est beaucoup tendue ces 4 derniers mois, mais qui va continuer à se tendre. La question du front unitaire, effectivement, de l'unité d'action, elle a été posée, et heureusement... la question de la réunification syndicale, parce que quand on pense transformation de la société, moi je veux bien, mais je trouve qu'elle est crédible à partir du moment où on se retrouve avec un outil et un seul, sinon à mon avis c'est le bordel quand il s'agit d'organiser et de socialiser réellement les moyens de production, mais avec un droit de tendance, s'il n'a pas été évoqué jusqu'à présent, je pense qu'il va falloir le revoir, ce droit de tendance. Il existait notamment dans la CGT, moi je suis à la CGT mais j'ai été à Sud avant. Entre Sud et la CGT, parce qu'on pose la question du syndicalisme minoritaire, nous, avec les copains de Sud, on a des listes communes aux élections professionnelles, on fait nos stages de formation syndicale ensemble, etc. Il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette qui nous sépare. C'est pas une question essentielle. Mais la question qui me semble essentielle, c'est celle qui a été posée par un des copains juste auparavant. Quelles forces on met actuellement dans nos quartiers, dans nos villes, dans la sociabilité, la question de l'éducation populaire a été posée. Comment fait-on tous ensemble pour revitaliser des bourses du travail unitaire, précisément? Parce que c'est là que les choses vont se jouer. Pour l'instant, les fachos n'y sont pas. Mais la nature ayant horreur du vide, si on n'occupe pas rapidement ce terrain-là, ils vont l'occuper. Voilà, donc tous ensemble, unitairement, réinvestissons un outil extraordinaire qui sont nos unions locales. Je pense, enfin, en tant que salarié d'un groupe de 6 000 personnes et élu DP avec un mandat syndical chez FO et étant confronté régulièrement à une direction qui s'approche des méthodes de Vinci, je crois que le monde du travail n'évoluera qu'à partir du moment où les salariés auront un peu d'autorité sur le fonctionnement de l'entreprise et qu'on développera ce qu'on appelle un peu de l'autogestion à l'allemande, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, les salariés ne sont que des victimes. Si je prends donc l'entreprise dans laquelle je travaille, je vais témoigner pour l'ensemble des collaborateurs de ce groupe qui représente 12 000 personnes et dont la branche O 6 000 personnes, c'est-à-dire le groupe SOR. Le groupe SOR a été dépouillé par les banquiers d'un montant de 2 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires d'1,4 milliard. Et depuis cette période-là, les salariés subissent tous les ans des saccages.
Le groupe perd de l'emploi, on le vend à la découpe parce que la dette est supérieure au chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc voilà comment les entreprises sont dépouillées. Il n'y a pas d'acteurs syndicaux, puisque c'est-à-dire qu'il y a un taux de syndicalisation qui est de l'ordre de 5%. Et puis donc les négociations n'arrivent pas à évoluer favorablement. Et en sachant que les gens qui vont négocier sont trop proches de la direction, c'est-à-dire quand vous avez affaire à une RH femme, un gars qui va venir négocier n'hésite pas à faire la bise à la RH femme, à aller manger avec elle. Donc les négociations, dans les négociations actuellement dans une entreprise, je crois qu'il faut, il faut remettre des paroles, des gestes, c'est-à-dire on vous voit la direction, il doit y avoir des règles au moment des négociations. La troisième et dernière. T'as 30 secondes. Dimanche dernier, à Montoire, les faucheurs volontaires ont tenté de détruire la totalité d'un stock de soja OGM transgénique importé de... Je ne sais plus si c'est Brésil ou l'Argentine, mais en Argentine. J'aimerais savoir comment un syndicaliste de Caire peut soit prendre contact avec les faucheurs volontaires où j'étais, soit est-ce qu'ils désapprouvent ça ? Comment ça se passe dans la tête d'un docker ? Je vais demander un exercice particulier à nos trois débatteurs de faire avec les trois questions qu'ils ont eues, ils se débrouillent entre eux, une intervention chacun, et en même temps, ils formulent leurs conclusions. Non, mais non, c'est compliqué à la fois de répondre, de conclure, etc. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ici, il y a déjà une preuve de ce que c'est que dépasser les frontières de la démocratie, le thème démocratie et syndicalisme, etc., etc. Le fait d'être ici, de rassembler hyper largement et encore plus que d'habitude après ce qui vient de se passer, les 15 jours qui viennent de se dérouler, c'est quand même une preuve qu'il y a un espoir. C'est pas rigolo ce qu'on raconte, hein. On en prend plein la gueule, on dit que ça baisse et machin, etc., etc. Et ben moi, j'irais pas travailler le matin si j'étais pas très optimiste, hein, j'y pas un peu optimiste, et si j'étais pas convaincu qu'on allait gagner à un moment donné. Alors évidemment, l'unité est un truc essentiel, on l'a vu dans ce qui s'est passé là, avec toutes les complexités qu'il peut y avoir, la conviction de convaincre des champs entiers de gens qui sont difficiles à convaincre. Hein. Tu parlais du danger du Front National, il y a un truc que j'ai oublié de dire sur l'affaire des gens qui sont à nuit debout, c'est que c'est des gens qui voteront jamais Front National. Mais c'est sûr. Et il y en a peut-être qui sont venus s'asseoir sur cette place à un moment donné, qui auraient peut-être été tentés à un moment donné. Et là, l'espèce d'université populaire permanente qui est là, et avec les exercices de démocratie réelle, on l'appelle comme on veut, etc., mais où on se détermine, on sait qui parle pas. Nuit debout, il y avait des gens, il y avait de l'extrême droite qui se pointait. Il y avait des soraliens, il y avait des confusionnistes, des royalistes, tout ce que tu veux, etc. Ça a été gentiment écarté, nettoyé. Le peu qu'on parlait, ils ont pas été convaincants, ils se sont fait casser, etc. Et voilà. Et ça, l'exercice qu'il y a ici, l'exercice qu'il y a sur Notre-Dame-des-Landes et plus avant, c'est un truc fabuleux. Et je regrette un tout petit peu, même au sein de Solidaire, hein, je fais un mea culpa pour Solidaire, on est présent depuis le début, mais on n'est pas assez nombreux. Parce qu'il y a une vraie cause, Solidaire, on n'arrête pas de dire les capitalistes nous coûtent cher. On a des travaux pratiques en grandeur réelle ici. Des gens qui s'en prennent au climat, des gens qui du grand capital qui s'en prennent à l'emploi parce que personne n'est dupe, des gens qui foutent vraiment le bordel. On a un champ pratique hallucinant ici. Et je pense qu'on sera vraiment là sur la suite de l'octobre et compagnie, on sera là. Trois minutes chacun. Ouais, mais je vais faire court parce que je voulais juste rebondir en fait sur ce que vient de dire Nicolas par rapport à Nuit Debout, puisque moi il m'avait demandé d'intervenir un soir à Paris, les jeunes et moins jeunes de Nuit Debout, sur justement la question du syndicalisme et quelle place dans le syndicalisme par rapport à ce paysage qui évolue avec cet État qui est de plus en plus agressif sur nos droits et sur nos capacités à nous mobiliser. Et une des réponses que j'avais essayé de faire, c'était quand même que déjà c'était rassurant de voir qu'il y a des gens qui sont pas structurés syndicalement, qui se posent des questions qui ramènent du vrai politique au milieu de leur questionnement et où il y a eu vraiment cette émergence d'une génération qui s'est quelque part entre guillemets politisée dans le bon sens du terme. Et moi j'avais fait le parallèle justement ce soir-là avec ce que je peux voir sur cette zone où je viens depuis 4-5 ans de façon plus ou moins régulière et où il y a des gens qui ont décidé de se réapproprier l'espace démocratique, syndiqué ou pas, structuré ou pas,
mais que de toute manière, sur cette zone-là, le combat sera victorieux que parce qu'il y a la différence et la richesse de la différence dans différentes structures. Ça répond pour partie à est-ce qu'il faut un grand syndicat unitaire ? Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout et je suis persuadé que j'aurai jamais les mêmes revendications que Xavier Belin, à la tête de l'FNSEA, peut avoir. Et que de ce côté-là, bah oui, on est deux syndicats agricoles, donc forcément, il faut faire ce parallèle-là. Et que je pense que la force de cette lutte ici, c'est qu'entre les gens qui sont sur la ZAD et qui occupent activement le lieu et qui font des actes de résistance par leur présence et par leur discours, entre les gens de la CIPA, entre les gens de la Confédération Paysanne de Copains, enfin, toutes les composantes de la lutte sont structurées de leur côté et c'est la fusion de tout ça qui fait la richesse de cette lutte. Et je pense que c'est aussi ça, cet exercice démocratique et cette... ouais, l'appropriation démocratique de celui-là, moi, je pense que ça doit nous laisser à méditer, ça doit nous projeter sur l'avenir. Oui, pour conclure, pardon, je vais répondre par la question la plus facile en ce qui concerne l'importation en France et en Europe du soja transgénique. Je suis moi-même adhérent, je ne devrais pas le dire, hein, de Greenpeace depuis longtemps, et on a organisé beaucoup de choses visibles et d'autres beaucoup moins. Donc je cautionne à 100% ce qui a été fait. Et quand j'étais en activité au niveau syndical, je suis intervenu à maintes reprises dans le conseil d'administration du port pour que nous soyons un port de référence qui n'importe plus de soja transgénique. Hélas, ça revient malheureusement très très vite. Donc ça, c'est la question là-dessus. Je n'ai pas de souci là-dessus et je pense que les dockers n'en ont pas globalement. Hein, je pense. Voilà. La deuxième chose qui m'a beaucoup intéressé dans ta question sur les grosses entreprises, c'est vrai, dans également ce débat sur la question démocratique, il faut que nous soyons capables, là où nous pouvons intervenir, y compris collectivement, de mettre en discussion cette question de la représentation des salariés. La représentation des salariés seulement dans les conseils d'administration, sincèrement, je suis favorable, mais ça ne suffit pas. Je prône quelque chose qui n'est pas partagé, mais je le revendique. Je pense que les salariés ont le droit d'être des actionnaires de leurs entreprises autant que les capitalistes. C'est eux qui font le travail. Et là-dessus, on est timide, on ne veut pas. Eh bien, on saurait à quoi ça sert, ce que nous produisons, si c'est utile, si ça ne l'est pas. Il y aurait peut-être un autre regard sur l'économie. Peut-être. Au moins que nous le mettions en discussion. Et puis, j'ai entendu la discussion sur la réduction du temps de travail. Oui, c'est lié au débat que nous devons mettre en place. Je crois que c'est en 1974 qu'avec un petit groupe de syndicalistes un peu illuminés, j'ai participé à l'écriture du livre « Travailler 2 heures par jour ». Alors, on a vachement avancé. Nous sommes en 2016. Il y a un vrai boulot et ça, c'est lié à la question de ce qu'ils nous font croire comme étant la crise. Ils mesurent la crise dans la société au nombre de chômeurs. Ça devrait être l'inverse dans une société où la production croît en même temps que le chômage. C'est la question du partage qui se pose à tous les niveaux et des pouvoirs, la réappropriation des pouvoirs pour les salariés, pour tous ceux qui produisent et qui vendent chaque jour.